Bon. Écoutez, je vais essayer, on va voir si ça fonctionne, mais en fait, c'est que vu que la vidéo de Feldup m'a vraiment plu, je cherchais justement des jeux dans cette ambiance-là, et ça me rend un petit peu curieux. Alors attendez, je le mets dans mon dossier, je suis en train de le DL là. J'espère que ça va pas me faire laguer comme la dernière fois quand on était en stream. Oh, ça a l'air d'être bon. J'ai bientôt le truc. T'avais jamais vu l'image des backrooms avant? Si, si, j'étais tombé sur des images de gens qui partageaient justement ce truc ou la vidéo dont qu'il avait faite. Merci Natsuo pour ton deuxième mois. Merci beaucoup les gars pour vos subs, vous régalez. J'avais vu plein d'images comme ça quand je me baladais à l'ancienne sur 4chan ou même sur des forums tout autres. Et même sur Twitter, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des images comme ça. Mais je savais pas que ça avait un nom en fait, qu'il y avait un concept derrière, tu vois. C'est quoi le principe des backrooms? Alors en gros, pour t'expliquer, imagine-toi, vous me dites hein, si je dis une bêtise les gars, mais c'est un monde parallèle dans lequel tu tombes par hasard, c'est-à-dire que tu noclips à travers le sol et tu passes dans le monde des backrooms. Et en fait, les backrooms, il y a plusieurs niveaux, de 0 à l'infini, d'après ce que j'ai compris. Et les niveaux de 0 à 9 sont linéaires, c'est-à-dire que dès que tu tombes dans les backrooms, le chemin que tu vas avoir du niveau 0 au niveau 9, va être le même que tous les autres. Par contre, à partir du niveau 9, il y a un embranchement incroyable de niveaux qui se fait. Et du coup, tu peux avoir des choix, enfin comment dire, une progression aléatoire dans les backrooms. C'est faux, hein, bien sûr, hein, c'est de la fiction, c'est comme les SCP, mais c'est plutôt stylé. En gros, c'est une sorte de monde parallèle avec des niveaux différents, si tu veux. Alors, Anemoiapolis Beta X, je lance, j'essaie. J'essaie de lancer. On va voir si ça fonctionne. Vous voyez rien, mais moi ça marche, hein. Je vais juste essayer de lancer un peu le jeu, voir. Hey honey, I'm sure you're busy with work. Just letting you know that I don't know when I'll be home tonight. The county put me on a last minute contract to survey this paper town in the middle of nowhere. A J'ai un bunch black of screen. empty lots, I guess. The Attendez, developers attendez. never built anything here. Anyways, for some reason, we... J'ai l'impression que ça marche pas. Ah. C'est chiant cette histoire. Écoutez, je vais relancer, on va voir. Ouais, là, c'est un peu les black rooms, là, pour l'instant. C'est bizarre. Après, c'est peut-être que le début du jeu se passe uniquement via un black screen. Attendez, je vais essayer de vous montrer en même temps. Comme ça, vous allez voir. Anemoiapolis. Voilà. Ça me met ça. On va voir s'il y a un truc qui se Hey lance honey, après. I'm sure you're busy with work. Salut Antelo, ouais, ça Just va très letting bien. you know that I don't know when I'll be home tonight. The county put me on a last minute contract to survey this paper town in the middle of nowhere. A bunch of empty lots, I guess. The developers never built anything here. Anyways, for some reason we didn't realize that this place was sucking up like 15 times the amount of energy that it should be for like 30 years. You know, the usual bullshit. Anyways, still looking On est forward to d'accord que là, il n'y a rien qui delivery, se passe, on voit rien. but don't be afraid to put it in the refrigerator. Love you. Bye. J'attends. Ou alors c'est qu'il a fait tout sauf la scène d'intro. Et du coup, on voit rien du tout. Ok, c'est bon, ça marche. Bon, bah parfait, on va pouvoir tâter. Bon allez, je change le titre. Jeu d'horreur. On explore les backrooms. On va tâter. Ah, je pensais que ça allait pas du tout marcher, je suis content. Alors, voyons voir cette histoire. Je pense que le son du jeu était un peu fort pour vous. Je baisse. J'augmente un peu mon mic. Et on est parti. Donc si ça se trouve, en fait, tous les gens qui disaient que ça marchait pas, c'est juste qu'ils ont eu le même réflexe comme moi, c'est-à-dire que putain, mais ça marche pas, alors qu'en fait c'était l'intro quoi. Use mouse to look around, use WASD to move around. Je suppose que je ne peux pas courir.
this shouldn't take long. Hopefully. Ok, ça devrait pas durer longtemps. Press spacebar to jump over obstacles. C'est con qu'il y ait... Oh, je suis trop con. Alors, du coup, les gars, n'hésitez pas à me répéter qu'il n'y a pas de menu option, parce que quand on appuie sur échappe, on quitte le jeu. Ah, j'avais zappé. Je suis trop con. C'est pas grave, je relance. Au moins, on le fait en bonne et due forme. On va pouvoir voir, écouter le scénario. Je vais essayer de vous traduire ce qu'il dit. Hey ma chérie, je suis sûr que t'es occupé avec ton travail. Je veux juste te dire que je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer ce soir à la maison. Un comté m'a mis sur un contrat de dernière minute pour aller dans une ville au milieu de nulle part. Pour quelconque raison, cet endroit sucerait beaucoup plus d'énergie qu'il devrait. J'ai vraiment envie de manger le curry que t'as fait, mais n'hésite pas à le mettre au frigo. Je t'aime, à bientôt. Ok, je suis désolé, j'ai eu du mal. C'est que le son est tellement fort dans mes oreilles, j'ai eu du mal à comprendre ce que le mec disait. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas par contre combien de temps dure la démo. Je sais pas ce qui va se passer au final. Ça a été choisi en direct le jeu. Oh putain, on peut sauter. Eh, par contre, ouais, là on a vraiment l'impression d'être dans ce que décrivait Feldupi dans sa vidéo. Ah bon, là il trouve juste ça chelou. Putain, c'est chiant qu'il n'y ait pas de sous-titres pour vous. Transformateur d'énergie, je suppose. Bon, c'est la première fois que je vois un truc comme ça au milieu de nulle part avec un câble aussi long que mon chong. Hein. Where is this even hooked up to? Jusqu'où est-ce que c'est branché ce truc-là? J'essaie de vous traduire en même temps, les gars. Hein. J'essaye. Oh putain! Oh putain, ça m'a surpris déjà. Les gars, on est en train de passer dans les backrooms là. J'ai nos clips IRL. Oh là. Oh le putain de lag. Putain, on dirait la piscine dans la dernière scène de It Follows là. Je devrais être mort. Où suis-je ? Alors attendez les gars, juste qu'on se remette à jour. Est-ce que ça suit le déroulé des backrooms ou alors c'est juste des liminal spaces? Parce que j'ai oublié totalement l'ordre des backrooms. Hein. Je crois que le premier c'est un hôtel, je sais plus, je me rappelle plus. Hello? Hello? Y'a quelqu'un? Is anybody here? Je savais qu'il allait dire ça. No phone service. I guess I should have expected that. On peut pas passer là. C'est bien flippant. Hein. Je vais essayer d'appuyer là. Pour l'instant, je kiffe l'ambiance. Hein. This place is incredibly large. Je sais, cet endroit est incroyablement large. C'est quoi la musique là? Et il y a l'air d'avoir une petite ambiance, les mecs. Hein. J'ai l'impression qu'on est bien tombé. Hein. Comment?
Hein? Comment ça, tu peux aller là-bas? Oh, je peux sustenter! Attendez, j'ai l'impression. Regardez, je peux rester... J'ai du mal à piger, je pouvais rester en l'air, là. Comment ça, je peux aller là-haut? Ah non, c'est impossible. Donc ok, donc il dit que c'est bien le seul endroit où je pourrais aller. Si ça se trouve, il y a un souci, hein. Ouh. Oh, on peut aller nulle part. Attendez, c'est quoi ça? Je vais retourner là-bas. Ouais, c'est ce que je voulais essayer de faire, de bouger le plongeoir, mais à mon avis, c'est tellement lourd que je peux pas le faire. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Il n'y a pas d'interaction possible. Il y a du sang. Attendez, je vais essayer de sauter dans l'eau. Peut-être qu'il y a un truc qui se passe quand on saute dans l'eau. Non, rien du tout. Est-ce que je peux descendre dans l'eau? J'ai pas l'impression. Je vais essayer de retourner voir le bouton. Si c'est un délire de backroom, faut peut-être essayer nos clips. Bah justement, justement. Je vais essayer d'explorer un peu plus. Je vais retourner ici, voir. Il n'y a rien du tout. Et je suppose que le bouton, on peut même plus s'en servir. Ah! Qu'est-ce que ça a fait? Ah, ça a juste baissé ça. Alors, attendez. En fait, c'est juste pour baisser l'escalier, cette merde. Ah, par contre, le son, il est terrifiant, hein. Je vais essayer de voir. Ce serait con qu'on soit bloqué ici, quand même. Ouais, j'ai vu les roulements. J'ai vu les roulements. Il y a peut-être moyen d'essayer de remonter le truc pour que ça me balance d'un coup. Putain, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, parfait. Je dois partir d'ici. Putain, la musique, elle est horrible par contre, là. Je sais pas, c'est à la fois... C'est à la fois réconfortant et terriblement inquiétant, en fait. L'ambiance, j'aime pas ça du tout. Merci pour les subs, les gars. Merci Vdéric et merci Jacques Salaire pour ton 7e mois. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai ouvert une valve derrière. Merci Kipachu. Ah. Du coup, si je fais ça juste... Bon, ça sert strictement à rien. Eh ben merci gros, tout est si bizarre. Ouais, j'ai eu peur que ce soit la fin de la démo déjà. Eh, me dis pas qu'il y a un truc qui va me sauter dessus par contre. Hein.
Les cagouins fonctionnent. Bon là, si on suit la vidéo de Feldup, normalement, c'est... Il y a de l'eau, il y a du sirop d'orgeat dans ces toilettes. Oh là là, labyrinthe de... Merde. Oh, le bruit que ça fait, sa mère. J'aime pas trop ça, là. Ah, c'est tout noir. Ah, je vais baisser mon son immédiatement, par contre, hein. Où est-ce que je dois aller? Il y a absolument tout qui se ressemble? Exit. Ah, attendez. Je vais essayer de suivre ça, hein. C'est très très noir! J'ai le cul super comprimé, hein. Ah, par contre, ça met pas bien cette histoire-là. Ouh. On est où, là? Oh! Non, là, je retourne en arrière. Ça sert à rien que je fasse ça. Là, je retourne à l'envers. Je suis plus dans la sortie, là. Putain, mais je suis un starbé d'avancer à l'envers comme ça. Oh, par contre, là, les gars... Oh putain, j'ai eu peur, c'est mon alerte de sub. Je suis pas très bien, là. Merci, Lwaken, pour ton 4e mois. C'est quoi? C'est quoi, ce bordel? Y'a du bruit de partout, y'a tout qui s'ouvre! Elle est horrible l'ambiance, hein. J'ai l'impression que c'est que quand je m'arrête qu'il y a plein de trucs qui se passent. Je teste. Bah non. Ah, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Et pourquoi il a rien dit, le mec, là? Il a même pas parlé, genre, c'était normal. Mais il y a un problème, là, je retourne en arrière. Je suis que le panneau existe depuis tout à l'heure, je suis sûr que ça sert strictement à rien. Attendez, je vais rattendre. Regardez, il y a une ombre qui s'approche. Il est là, cet enculé! T'es qui? Ah! Qui êtes-vous? Putain, il est peut-être gentil, ça se trouve. Ah, il est pas méchant. Il a pas l'air méchant. Merci Applebee pour ton prime. Il est pas méchant.
Tu peux pas me donner des indices sur où aller, espèce de con là, vu que tu discutes, t'aimes t'en parler. Si ça se trouve, il faut que j'aille. Si ça se trouve, il faut vraiment que j'aille dans le. Mais c'est pas une entité dont parle Feldup en vidéo, mais si. Ah! Oh putain. Si, c'est les gars qui te regardent mais qui te font pas de mal. Ok. Du coup, là, ça ressemble à l'hôtel dont parlait Feldup dans la vidéo, quoi. Ouais, exactement. Ah ouais, putain, j'avais pas vu le mec au sol. Il est mort, mais heureux d'être mort, apparemment. Et du coup, ça ressemble à la... à l'entité qu'on a vue, l'entité fantomatique avant. Il dit, j'ai peut-être à grimper ce truc-là. Ah putain, en effet. Attendez, on va voir si c'est la suite. Ah oui, il y a une porte là-bas. Attendez, mais j'ai pas exploré bien en bas. En vrai, la musique, petit banger, hein. 4 jams un peu, hein. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut rien prendre du tout. Bon, la solution, ça doit bien être d'aller là-bas. Ah, il y a un truc, les mecs. Je sais plus qui m'a proposé ce jeu-là, mais quelque chose que j'aime bien. Il n'y a plus de musique, là. Ok, allons-y, on progresse. C'est toi, Turbo ? Genre, Turbo Léon. Tu m'aurais fait une bonne proposition, Turbo. Une fois dans ta vie. Et la suite, c'est là? Oh. Ah là, du coup, on arrive... je me sais plus... Je crois que c'est le deuxième ou le troisième niveau dans la vidéo de Feldup qui... dont il parle, où c'est la... espèce de parking. Il y a un truc d'aéroport. Ah, c'est vraiment stylé, hein. Écoutez, je vais là où il y a de la lumière. C'est peut-être bête, hein. Mais j'ai envie d'y croire. Ça va au fait au niveau de la... je veux dire du son et de la fluidité du stream ou c'est... ou c'est kata? N'hésitez pas à me dire maintenant. Hein. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un là. Ah non putain, c'est pas quelqu'un. Ok. Bon, ça me va. Merci Benver pour ton année de sub, merci beaucoup. Ah, attendez, avant d'aller là, je vais aller ici. Ouais, moi aussi, mes alertes de sub m'inquiètent plus que le reste. Hein. Attendez, bah du coup, si on monte là, j'ai envie d'aller ici plutôt. Oh là, je me mords les ongles, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah bah c'est ce que je disais du coup. C'est là où on était tout à l'heure, donc ce serait l'entité, le mec mort? Il se tourne vers moi. Bon, allez, je me casse. Je veux pas rester ici. C'est super rassurant ce qui nous arrive là quand même, hein, depuis tout à l'heure. Niveau suivant.
Il y avait pas un autre jeu de backroom, les gars? Qu'on puisse le faire maintenant, parce qu'en vrai, le délire me plaît de fou, hein. Bon, encore une fois, je sais plus qui m'a conseillé ce jeu, je sais pas si c'est Turbo, je pense qu'il ment, mais je trouve ça trop bien. Attendez, je vais essayer de voir Backroom Indie Game. On va essayer de voir. Terra veut jouer avec toi? Mais à quoi? Il veut qu'on joue à quoi? Backroom. Backroom Indie Game. Je regarde. Mais il y avait Markiplier qui avait fait un jeu sur les backrooms. Mais oui, elle est dans la vidéo de The Backrooms Horror Game. Jimmy gets lost in the backroom. Hey guys. Oh, ça a l'air bien fini à la piste quand même. Ça a l'air bien fini à la piste, mais on peut essayer. Il veut jouer à Mario Party. Eh ben, vous dites à Damien que je peux pas parce que ma Switch elle est pas branchée et j'ai encore moins branché ça à ma carte de capture, donc c'est mort. Ah, je veux bien essayer, mais ça a l'air quand même moins bien. Ah, je peux y jouer depuis le navigateur? Attendez, je vais essayer. Oh là là, oh là, on va le télécharger. Hein. 1 euro! 1 euro! 1 euro! Pour un jeu qui a l'air fini à la pisse? Oh non, c'est hors de question que je donne 1 euro de plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Grim? Backrooms Game. C'est donné. Bah non, attendez, ça a l'air caca. Hein. The Backrooms Game, no commentary. Attendez, je check. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Ten minutes of the backrooms by Pie on a plate production. Merci pour ton sub offert à Théo qui passe, gentil. Le jeu a l'air de durer 5 minutes, je te préviens. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Hein. Attendez, je check. A Backroom Creepypasta Horror Game. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est le truc dont que j'ai essayé de lancer. Et il y a celui-ci aussi, mais j'ai l'impression que c'est différent. The Backrooms. J'ai l'impression que c'est pas le même jeu qu'avant en fait. The Backroom Speedrun. Terra te harcèle sur live. Mais il m'emmerde ce connard. Il avait qu'à m'écrire avant, ce trou du cul. Casse les couilles. Merci Hunter pour ton deuxième mois d'abonnement. Terra te believe va faire un case opening. Bah c'est très bien, j'en ai rien à foutre. Alors, attendez. The Backrooms Indie Game. J'essaie d'aller checker. Ah bah c'est ça. Il est sur Steam. Je vais essayer. Je vais le télécharger. The Backrooms Game Free Edition. Eh, y a l'air d'en avoir plusieurs sur Steam. Hein. Bon, je télécharge. On va voir ce que ça donne. Dans les settings de Better TV. Ah, tu parles pour les émotes. Merci Hunter. Terra a dit Hugo est une merde. Mais oui, bah c'est moi qui chie dans mon froc quand je fais l'amour à ma femme. C'est moi, bien sûr. C'est cadeau, ça. Alors attendez. Je l'ai. J'ai le jeu. 2560 parmi 440. Novisync. Ça a l'air d'être bon. Je crois que c'est bon, les gars. Ah là, c'était pas une pépite de chocolat, apparemment, c'était plus. Hein. Alors. Explore only mode. No madness beings or anything scary, just exploration.
Non, motion blur, on laisse quand même. Streamer YouTuber mode? Ah ouais, ah oui, je veux bien ça. Post-processing. Alors, tab pour regarder sa montre, E pour se souvenir et interagir, et shift pour sprinter. Check watch every 30 seconds. Go as far as possible and get out alive. Don't look at it. D'accord. It roams these expensive halls. Donc ça se balade dans ces halls gigantesques. Oh, attendez, c'est super fort là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il faut que je compte en même temps? Voilà, j'ai le son qui est incroyablement fort. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok, on va essayer de faire ça toutes les 30 secondes. Ce qu'il y a, c'est que faut que j'y pense, quoi. Oh, l'ambiance de fils de pute. Oh la vache. Il y a quelque chose là. J'ai entendu un truc. Je me souviens. J'entends quelque chose derrière moi, j'ai pas envie de regarder. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais pourquoi il a fait ça, mon perso? Je me souviens. Voilà. Il y a une sorte de mécanique où il faut se souvenir qui on est pour pas devenir fou, mais... Si j'oublie de le faire, ça fait quoi? J'ai même pas envie de tester, hein. Et apparemment... Il y a un mode pacifiste où on a juste à se balader, mais là je l'ai pas activé, donc, mais je sais pas ce qui se passe en fait. S'il y a vraiment quelque chose qui arrive ou si c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que la couleur des murs change. C'est de la merde. Bon, là les gars, on est d'accord qu'il n'y a rien du tout qui se passe. Le jeu va jusqu'où? Bah justement, j'en sais rien. Si ça se trouve, il n'y a même pas de sortie, il n'y a rien du tout en fait. C'est ça le pire. Don't look at it. C'était quoi le hit? Ils nous ont pas dit. J'entends des bruits, mais je sais pas si c'est les ventilations qu'il y a au plafond ou si c'est autre chose. Vous êtes déjà passé par là. Il y a absolument tout qui se ressemble de toute façon. Ah! Attendez, je vais essayer de passer là, à droite. Je l'ai pas fait encore. Je vois pas de hit, hein. Don't look at it, mais faudrait qu'il apparaisse, hit. Oh! C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Oh, y'a un truc là! Il est dans le mur, ce débile! Bon, j'avance encore. Merci Hunter et merci Peter. C'était de la merde là? Il était bloqué dans le mur?
L'ambiance est horrible, hein, sonore. Hein. C'est très peu agréable. Hein. Ça donne presque envie de beuge, en fait. Ah merde. Je me calme. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? You excited the live. C'est tout. Donc ça c'est du... J'ai fait un speedrun là. Bon. Autant vous dire que je préférais le jeu qu'on a fait avant. Y a pas picture, hein, comme disaient les Américains. Bon, si vous voulez essayer, c'est gratuit sur Steam. Mais juste pour continuer dans la curiosité des backrooms, je reteste d'appuyer, enfin de chercher backroom dans Steam pour voir s'il n'y a pas un autre jeu. Alors, il y a The Backrooms. Voilà, ça a été très mal noté. Donc je vais même pas... The Backrooms Simulator, ça a l'air juste... Oh, par contre, c'est en VR, ça serait hallucinant. Mais j'ai pas de casque VR de brancher. Et il y a Enter the Backrooms. An indie psychological horror experience about surviving infinity. Navigate an endless expanse of rooms, ascend through various levels, gather items and artifacts. Attendez, je vous montre. Evade glitched entities and see how just deep the realm know as the backroom goes. On dirait c'est un jeu dont on parlait tout à l'heure en fait. Ce serait ce qu'on attend d'un vrai jeu sur les backrooms. Ce qu'il y a, c'est que ça a l'air un peu rincé. Hein. On dirait un fond d'écran de Windows 95, les gars. Donc j'ai même pas envie de l'installer et de l'acheter. Hein. Tape Backroom Couch sur Google Chrome, il y a des super jeux. Backroom Couch. C'est pas des trucs de cul, ça? Non, mais je vais pas le prendre. En plus, sortir 2021. Et ouais, c'est ça qui est trop bizarre. Merci, Alex. Backroom Couch. Attends, juste par curiosité. Alors, fenêtre in private. Backroom Couch. Ouais, Backroom Casting, bah c'est bien ce que je me disais. Ça me disait quelque chose. Oh, attendez, par contre, il y a un truc qui a l'air trop stylé, là. C'est quoi, ça? Into the Backrooms? Ça a l'air d'être une... un court-métrage. Attendez. Je suis curieux de mater, juste, ça dure 10 minutes. Petit stupéflip dans la Gova, là. C'est fait sur GTA? C'est GTA? Putain, c'est stylé. Ça, c'est grave propre, hein. Est-ce qu'il clip à un moment? C'est trop stylé, franchement. Mais voilà, moi, c'est ça que je veux. S'il y avait un jeu... Oh, putain. S'il y avait un jeu comme ça sur les backrooms, ce serait hallucinant, vraiment. On dirait les modèles... c'est les modèles de FIFA 22 dans le public. Oh, attendez, il se fait poursuivre par un truc, là. Ah, c'est stylé, hein. Oh, il a nos clips. Rich, where the hell have you been? Ah, c'est stylé, hein. Ah, vraiment, s'il y avait un jeu comme ça d'horreur qui sortirait avec... avec plein de niveaux différents dans le délire des backrooms, bah, un peu ce qu'on a fait avant, là, ça a l'air trop bien. Hein. Mais...
C'était bien fait. Bon, ah putain, je me suis vraiment abaissé dans mon siège tellement j'avais peur. J'ai vraiment 5 ans. Bon, attendez. On va lancer du coup le jeu que j'avais prévu de base, qui s'appelle Motherhead. Vous en avez pensé quoi là pour l'instant? Pour l'instant, celui que j'ai préféré qu'on a fait depuis le début, c'est le. Comment ça s'appelle? C'est le premier jeu là, Aenemapolis. Hein. Ça a l'air trop trop cool. Hein. Suite 776, c'est cool. C'est quoi, Enzoa? C'est par rapport au Backroom aussi? Il y a un jeu qui s'appelle Backroom, Hugo. Mais je sais, on en a parlé juste avant. Ça avait l'air un petit peu à chier. Premier, c'est sympa, dommage qu'il n'ait pas fini. Bah, en tout cas, dès que je vois sur Itch.io qu'il est mis à jour et que ça sent bon pour une suite, on le fait avec plaisir. Hein. Si vraiment, si Hideo Kojima faisait un jeu sur les Backrooms, les gars. Si seulement il en faisait un. Non, c'est un jeu d'horreur. Ah, bah j'en ai déjà prévu, Enzo, donc. Je sais pas si Mothered, il est dans les jeux proposés sur la liste de Twitch, ça m'étonnerait. Mothered, non, ça y est pas. Bon, bah du coup, on va rester en discussion, c'est pas grave. Je lance le bousin. Je vous le mets, au niveau de la capture. Hop. Donc apparemment, c'est un jeu de rôle d'horreur. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vais peut-être mettre ma cam ailleurs. Hop, je la mettrai bien par ici. Et on est bon. L'ambiance, elle a l'air vraiment stylée. Hein. Ouais, on l'a fait, Poppy, la semaine dernière. D'ailleurs, la VOD devrait pas tarder à sortir, je pense. Alors, je pense que je vais me charger de la miniature, comme ça on la postera vite. Bon, je me suis pas spoilé sur le truc, c'est Marcel qui m'a conseillé le jeu. J'ai juste regardé un peu le style graphique et ça a l'air vraiment cool. Alors, ce jeu contient des thèmes de abus, maladie, mort. Clic gauche pour accepter et progresser. Il y a une tempête qui approche. Attendez, quand même vous mettre dans l'ambiance. Right on cue. On peut juste espérer que ce soit la dernière. Clic gauche pour se réveiller? Ah là! Alors, ZQSD pour bouger, souris pour regarder autour. Hold space or right click to open the interface. Hein? Ah ok, putain mais c'est trop stylé. Du coup, ça montre le joueur qu'on est. When the interface is active, left click on objects to interact. Ok, j'ai l'impression que j'ai pas d'objet. Phaser. Oh désolé, Layana. Je ne voulais pas te réveiller. Je devais encore penser fort. On est presque arrivé. Je sais que la chirurgie t'a beaucoup affecté, mais je pense que te ramener à la maison va faire la différence. C'est important pour toi d'être avec ta maman, pour te rappeler à quel point, enfin, comment les choses étaient auparavant. Si tout se passe bien, j'ai foi dans le fait que tu sois de retour comme tu étais avant la fin de la semaine. Tu as traversé beaucoup de choses. Je suis juste heureux qu'on t'ait sorti de là. C'était pas bon pour ta tête. Ok. C'est tout ce que je peux faire avec papa? Tu sais, il y a... Oula. Papa a coupé la radio. J'ai un bon pressentiment pour cette semaine. Je sais que j'ai été tellement occupé au travail récemment. Pour tout te dire, ça me fait chier que j'ai pas eu autant de temps pour profiter de la famille comme je pouvais avant. Je veux juste que tu saches quelque chose. Tout ce que l'on fait, c'est pour toi. Je t'appellerai mardi soir. Ok, rappelle-toi d'attendre mon appel. Ok, d'accord. Il est un peu creepy, papa, quand même. Hein. La maison est juste sur notre droite. Juste à ce temps pour la tombée de la nuit. Papa sort sa bite. Oh putain, c'est trop bien l'ambiance.
Attendez, je joue là? Tu devrais courir pour ne pas être trempé? Si c'est trop sombre, essaye de trouver des interrupteurs. Oh, j'ai presque oublié. Ta maman a laissé une boîte pour moi, quelque chose là-dedans. Est-ce que tu pourrais me la ramener avant que tu ailles au lit? Je t'attendrai ici. Ah mais on joue là? Mais attendez, mais c'est horrible. Ok, donc une boîte, les mecs. Il faut qu'on trouve une boîte. Ah, par contre, ouais, on voit strictement rien, là. Ça, c'est un light switch. Ok, une boîte, les mecs. C'est quoi, ça? Le téléphone. La kitchen. On est d'accord que le daron, il nous a pas dit où est-ce que c'était, ce qu'on devait lui prendre. C'est quoi, ça? Une note de maman. C'est une note pour toi. Bienvenue à la maison, Liana. J'espère que tu es arrivée, bah, comme il faut. Je suis désolé de ne pas être là pour t'accueillir personnellement. Je ne me sens pas bien ces derniers jours, donc j'ai dû aller au lit plus tôt. Je viendrai te voir le matin, d'accord? Je t'aime, maman. PS, j'ai laissé une boîte sur le sofa pour papa. Est-ce que tu pourrais lui ramener avant qu'il s'en aille? Il en a besoin pour le travail. Ok, sur le sofa. There is a lamp just behind you. It will help. A lamp behind me, bon. Am I ended by the piece? I can't see it, hein. Je suis où, là? Ah merde, c'est des escaliers. Je vois pas la lampe. Où est-ce qu'elle est, cette putain de lampe? T'as l'ambiance, elle est insane, par contre. Hein. J'ai mis mon nez dans la lampe. Ah bon? Celle-ci? Ah ouais. C'est vrai. Non, je pensais que c'était une lampe torche. Record player. Putain, on peut vraiment interagir avec un milliard de trucs. Hein. Alors, le canap. Ah oui, mais je suis vraiment minuscule. Box. There is a cardboard box on the sofa. Donc, une boîte en carton. Papa veut que tu la ramènes. C'est plutôt lourd. Ok, bon, bah, je te la ramène, mon daron. Oui, je suis désolé. Moi, je pensais que on allait avoir une petite lampe torche. Ok, c'est parti. Alors par contre, je vais encore me mouiller là. J'aime bien le rendu graphique du jeu, c'est grave stylé. Papa! J'ai la petite boîte pour toi, mon papa. Fateur! Bien joué, tu l'as trouvé. Donne la boîte à papa. Ça marche, ça marche. Je lui dirai. Et sois patient avec elle. Elle a traversé beaucoup plus de choses que nous. Je t'embrasserai bien, mais je peux pas te laisser voir mon visage. Ce serait pas safe. On dirait que cette tempête est en train de gronder encore plus. Tu devrais mieux retourner au lit. Je t'appellerai mardi soir. Bonne nuit. Ok. Bon, alors là, par contre, dinguerie incoming. Si on doit attendre autant de temps. Là, on est dimanche soir. Où est-ce qu'elle est, ma chambrine? Attendez, j'aimerais bien quand même juste explorer un peu la baraque pour voir si je vais avoir du mal à me repérer dans le bousin ou pas. Downstairs, bathroom, locked. You are forbidden from attempting... Je peux même pas aller ici. Ok. Donc apparemment, c'est la salle de bain vers ici. Là, on a le salon. Ok, ça, j'ai compris. Kitchen. Et là, je grimpe au lit. Oh là là, l'ambiance par contre elle est stylée. Hein. Brothers room. Y'a quelqu'un? Donc j'ai un frère, ça c'est bon à savoir. Dour. C'est les chiottes ça, c'est les cagouins. Ok. Cagouins ici. Ça c'est quoi ça? C'est out or face my wrath. Lana's room. Ah bah c'est moi. Là, c'est maman. Ok, bon. Je vais aller au lit, du coup. Hein. On va au lit?
You have traveled far today. Tu as beaucoup voyagé aujourd'hui. Tu es fatigué. Tu montes dans ton lit et tu dors. En vrai, je trouve que le rendu graphique joue beaucoup. Hein. Même l'ambiance sonore, c'est grave propre. Ok. This is my wardrobe. Donc là, on a les petits vêtements. Ça marche. Je peux pas en choper, du coup. Est-ce qu'on va voir la daronne tout de suite Je pense que la daronne, elle est possédée par le démon. C'est ça qui me fait un peu peur. Merci Camembert pour ton tir. Ah, bienvenue. Alors, est-ce que la daronne, elle est encore là? Elle doit être en bas, non? Putain, l'ambiance est folle, hein. Oh tiens! Maman, je suis rentré! Maman? Ok. Bonjour, Liana. Attendez. C'est moi! Ta maman! Quelle horreur! Oh la vache, la tronche! Je suis désolé pour mon absence la nuit dernière. J'ai dû m'occuper de quelque chose. Je sais ce que tu dois penser. Et tu n'as rien. Tu n'as pas la peine de t'inquiéter. Tu es à la maison maintenant. C'est Marge. Hein. C'est la chose la plus importante. Mais... parlons d'autre chose. J'espère que tu as dormi comme il faut. You feeling a bit confused? Je crois que tu es un petit peu confuse après ton opération. Tu as passé beaucoup de choses, Liana. Mais je suis sûr que tu as remarqué. Ta chambre est restée telle qu'elle l'était avant que tu partes. Après tout, nous n'aimerions pas faire face à ta vengeance, n'est-ce pas? J'ai toujours aimé le petit signe qu'il y a sur ta porte. C'est tellement toi. J'espère que être de retour dans ta pièce t'a rendu un petit peu plus confortable. Aujourd'hui, je pense que tu devrais prendre les choses à la légère. Reste un petit peu avec ta vieille mère. Avant toute chose, j'ai préparé le petit-déj pour toi. C'est juste ici sur la table. C'est ton préféré. Qu'est-ce que tu m'as fait, bouffonne? La daronne fait un tout petit peu, un tout petit peu flipper. Oh merde, qu'est-ce que j'ai lancé? J'ai cliqué sur le bouton Air Up directement. Qu'est-ce que c'est? C'est du riz? Tu m'as fait du riz, maman? Ah, mais ta gueule, je sais ça. Elle est en mode automatique, la daronne. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Breakfast platter. Nutrients? C'est des nutriments? Elle m'a donné un bol de coke, là. Ça a l'air d'être des pilules, du coup, que j'ai pris. Tu as mangé tous les nutriments. Où est-ce qu'elle est partie, la daronne? Je peux passer à travers ou pas? Non, même pas. Tu as mangé tout? C'est intéressant. Donc, d'après ce que je comprends... ta mémoire n'est pas tout à fait intacte après ton opération. Et donc, je pensais, ça pourrait aider, hein? Si je te montrais un petit peu la maison. Mais, hein? Quoi? Si tu regardais un petit peu la maison dans laquelle tu as grandi, ça pourrait accélérer ta reconvalescence? Ok. Explore la maison toute seule. D'accord. Je l'ai... Attends, c'est Mother, ça. Pourquoi j'ai Mother là et Mother là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mother? Et donc, il y a bel et bien deux Mother. La salle de bain d'en bas? Hein? Elle est plus accessible? C'est cassé. Donc, ce serait mieux que personne ne rentre à l'intérieur. Je sais que tu aimais... aller dans les pièces où tu ne devrais pas aller. Tu ne devrais pas essayer d'y aller, hein.
C'est pas comme si tu nous avais jamais écoutés. Tu étais toujours été rebelle. Non mais elle est terrifiante celle-ci, elle parle même pas comme l'autre. Mais c'est pour ton propre bien. Après tout, on veut pas que tu... Flooding, merde. Remplisse la pièce d'eau. Ce serait un cauchemar. Ok. On va aller voir la chambre du brother. Donc j'ai pas le droit d'aller ici. Et là, la daronne a disparu. Un petit peu de air up, ça n'a jamais fait de mal. Hein. Du coup, le brother, il est là. Ma chérie! Oh, j'ai des bonnes nouvelles! Merde, j'ai tout raté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? Ton frère est si silencieux depuis que tu es malade. Maintenant, il passe tout son temps sur son ordinateur, parlant avec d'autres comme lui. On peut plus lui parler. Et quand on essaye, il parle un autre langage. C'est comme s'il était dans un monde complètement différent. Notre petit garçon est très intelligent pour son âge, ça c'est sûr. Si tu as besoin d'un conseil, je suis sûr qu'il voudrait bien t'aider si tu cognes sur sa porte. Par contre, il te laissera jamais entrer. Ok, on continue ? Mais ça veut dire que je peux knock-knock ? Pas de réponse. C'est peut-être parce qu'il y a la daronne. Hein. C'est effrayant, putain de merde. Attendez, je me recache. C'est la salle de bain que tu utilises. Comme j'ai dit, celle d'en bas est complètement cassée. Et tu n'as pas le droit d'y entrer. Aussi, j'espère que ça ne dérange pas, mais... J'ai dû couvrir tous les miroirs. Ah ! Pourquoi on peut pas voir les visages ? C'est pour ton propre bien. Ça, c'est vrai, ça. De toute façon, je suis trop petit pour me voir. Qu'est-ce que ces conneries, maman ? Oh là là, c'est horrible. Hein. Sur cette porte, ça mène à la pièce... la suite nuptiale. Tu n'as pas le droit de rentrer ici. Pourquoi ? Attendez, c'est bien sa robe, là, qui pète un câble. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? On la garde fermée. Et on pense que ce n'est pas nécessaire. On a confiance en cette famille. C'est la fin de notre tour ? Ok. On est lundi soir. Les transitions font plus flipper que le reste. Hein. J'ai pas le droit, je suppose, d'y aller. J'ai juste envie d'explorer un petit peu mon bureau, quand même, pour voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. On a bien un inventaire, c'est pour quelque chose. Là, par exemple, les vêtements, je peux pas me les prendre ? J'ai essayé de toquer chez mon frère. Need to use the sink. On peut vraiment rien faire, j'ai l'impression. Tu tapes sur la porte. Pas de réponse. Si ça se trouve, en fait, j'ai juste plus de frères. Hein. Il y a l'air d'avoir un truc au mur là, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Je peux sortir ou pas? Eh ouais, je peux sortir. Il y a la daronne... C'est maman ça. Par contre, le style graphique, il marche de ouf. Hein. Maman? Maman? Qu'est-ce que tu fais, daronning, là? Oh, Liana! Oh, tu m'as fait peur! Tu n'étais pas supposé venir derrière moi comme ça, enfin! Oh, c'est merveilleux! Comme c'est spécial! Tu adorais venir derrière nous et nous faire peur comme ça. Oh! C'est comme si tu redevenais ton propre toi. Qui sait? Peut-être que faire ce tour de la maison t'a permis de faire revenir toute ta mémoire. Attendez, je cache les subs quand même. Tu sais quoi? Demain, on ira voir autour de la maison. Je suis certaine que dès que tu auras vu tout ce que... Hein, dans quoi tu as grandi,
tu seras le toit d'avant. Ça te va? Oh, regarde ce coucher de soleil, ma chérie. Oh, regarde-le. Oh, regardez le soleil tout le temps, en train de descendre. Pour tout te dire, j'étais inquiète. Inquiète que tu n'aies plus la chance de le faire une nouvelle fois. Peut-être que tous ces sacrifices que nous avons faits valaient la peine. Celui-ci est particulièrement beau. N'est-il pas? Allez. Quoi? On va au lit, là? J'ai pas compris. Elle m'a laissé dehors, cette connasse. Non mais la daronne, elle fait n'importe quoi. Je kiffe l'ambiance. Bon, pour l'instant, famille un peu spéciale, mais ça va, je me sens bien. Maman? Je peux pas aller au Quinconce. Bah oui, c'est interdiction d'y aller. Où est-ce qu'elle est, la maman? J'ai passé la dernière line, donc si ça se trouve, elle me disait d'aller au dodo. On est quel jour? On est lundi soir. Mon papa, il m'appelle evening, donc dans la soirée de demain, c'est ça? Ok, elle est pas là. Frérot? Personne répond. Jeudi? Mais non, c'était Tuesday, les gars. Mardi? C'était Tuesday qu'elle a dit. Ou alors j'ai mal lu? C'était Thursday? Ah! Je sais pas, c'est peut-être à cause de la police. J'ai lu Tuesday. Maman? Ah, j'ai pas le droit. Hein. Bon, bah je vais au lit. J'ai pas le choix, là. Pardon? Qui est dans ma pièce? Oh putain de merde. Oh la vache, la salope. Mais c'est effrayant, ça. Qu'est-ce qu'elle me veut, la vioque, là? Oh la vache. Yana. Mon ange. Notre ange. Juste une dernière chose. J'ai dû faire beaucoup de choses que j'ai dû regretter. Donc s'il te plaît, plus. Hein? Arrête! Pour le bien de cette famille! Je suis désolé que j'ai dû te mettre dans ce mood avant d'aller au lit. Oh. C'est ok si tu me détestes. C'est normal pour les filles de ton âge. J'espère juste que tu as beaucoup aimé ton retour. Ton premier jour de retour à la maison. Repose-toi bien. Je viendrai te voir. Comme avant. Attends, ah non, I'll tuck you in. Oh, c'est terrifiant. Oh, c'est horrible. Non, je vais te border, c'est ça? I'll tuck you. Tuck me, mother. And mother tucks you in just like before. Ok. Nouveau jour, nouveau vlog, mes petits chéris, dans la maison de mes rêves. Où est-ce qu'est maman? Elle est peut-être en train de chier, non? Il faut que je me mette une voix voice mode quand je fais la maman, en fait. Attendez, je vais regarder ce que j'ai. Je vais m'écouter en même temps. Alors, ça? Ça? Ça, c'est pas mal. Ma petite fille. Regarde ça. Je vais prendre ça. Alors, comment on fait? Lost Soul. Il faut que je la mette sur mon stream deck. Voice mode. Voice changer, hop, sélectionner une voix, Lost Soul, voilà, parfait. Du coup,
Si je fais ça... ça n'a pas l'air de marcher. Ça a l'air de pas fonctionner du tout, par contre. Là, j'appuie, là. Hein. Attendez, je vérifie. Ah, voice changer on. Peut-être que je fasse ça. Et là, ça marche, non? Là, on est bon, les gars, vous avez la voix caca? Oui, il faut que je change encore un truc. Ok, parfait. Là, maintenant, je suis de retour dans ma voix normale. On est bon. Ok, c'est bon. C'est parti, on continue. Est-ce qu'elle est encore dehors, cette conne? Parce qu'elle voulait me faire visiter dehors, non? Allez là! Maman! Mother! Bonjour, Yana. J'espère que tu t'es bien reposée. J'aimerais savoir si tu te sens un petit peu mieux aujourd'hui. Hier soir, je t'ai dit que j'allais te faire visiter l'extérieur. Eh bien, j'y ai repensé. Et je crois que nous allons le faire. Si on ne se laisse qu'une chance de te faire revenir comme tu étais avant, nous devons l'essayer. C'est important que tu comprennes ce qui se passe ici. Je te donne rendez-vous là où nous avons... Je te donne rendez-vous là où on s'est vu hier soir. Ça marche maman, ça marche. On y va, on y va. Elle s'est un petit peu trompée là dans les voice lines. En vrai, je pense que je vais juste faire la voix de démon le soir quand elle sera en mode dark. Maman? Oh, tu as réussi! This is our Orcard! C'est quoi ça? Orcard? Ça veut dire beaucoup pour moi. Pendant que tu étais à l'hôpital, je suis devenu très solitaire. Je n'ai jamais vu ton père et ton frère. Ils sont enfermés sur lui-même. Te voir dans celui d'hôpital m'a rendu sans puissance. C'est bien, je suis devenu le seul endroit où j'avais du contrôle sur ce qui se passait. Avoir la responsabilité sur la création de la vie, c'est un... C'est un pouvoir divin. Un pouvoir inéluctablement infusé avec la culpabilité. Ainsi que... Fouillure. J'ai oublié la traduction. Brouillard des vierges. Tu vois pas tout le mal que ça implique dans la création d'une belle vie comme la tienne. Ça prend du temps. The hardship des routiers. Oh les mecs, attendez. Eh, s'il faut comprendre le site admission postback pour réussir à traduire le jeu, ça va être compliqué. Hein. Bon, je réessaye. Perdre ton énergie en essayant de les faire grandir. Only to have to dispose of the failure? Seulement pour avoir l'échec? C'est là où notre espérance arrive. C'est technique. Et j'ai espoir. J'ai espoir. Pardon. On continue. Rencontre-moi, enfin retrouve-moi au passage à côté de la maison. Attends, mais c'est déjà l'afternoon? La musique est horrible, ceci dit, là. Attendez, est-ce que je peux aller jusqu'au bout du truc, là?
J'ai peut-être un truc à ramasser dans le verger, hein, qui sait. J'explore un petit peu. Non, rien à choper. Ça, c'est des branches. Une petite cabane. Attendez, je suis curieux de voir ce qu'il y a là-dedans, quand même. Bon, il y a strictement rien. Alors là, par contre, vous pouvez être sûr que... Il y a un soir, on va devoir s'y diriger, ici, hein. Bon, je vais retrouver maman. Voyons voir. Ouais, dispose, c'est plutôt se débarrasser, ouais, je crois, mais... Ce qu'il y a, c'est que... Il y a du vocabulaire que j'ai pas l'habitude de voir, donc... Je comprends, dans ma tête, je comprends, mais mettre un mot français par-dessus, j'ai du mal. Ah, elle est là, cette conne. C'est reparti. Bon, pas des mots à plus de 4 syllabes, hein, maman. Le chemin derrière moi va t'amener jusqu'à la... à la tombe ? Cimetière ? Nous gardons les portes fermées. J'aime bien y aller tous les vendredis soir. Même si je prends moins de plaisir à y aller dernièrement. Avec un futur si plein d'espérance comme le nôtre, je n'ai même pas besoin de... To cling to the past? I don't feel the need to cling to the past? Ah, j'ai peut-être pas le besoin de me fondre dans le passé. Plus maintenant. Il est temps d'avancer désormais. Avec notre tour, je veux dire. Retrouve-moi derrière la maison. Il y a une dernière chose que j'aimerais te montrer. Oh putain. Qu'est-ce que ça va être que cette connerie encore? C'est là, maman? Ah, c'est là. On dirait le Nexus de... On dirait le rêve du chasseur de Bloodborne, hein, par contre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle me veut? Tu vois cette petite... Putain, mais je le sais, barn, grange? Je crois que c'est grange. Hein. J'espère vraiment que tu n'auras jamais à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, c'est trop stylé par contre. Survival notice, ne jamais entrer dans la grange. Allez, on rentre. Il se fait tard. Ok, ok. Bon, je fais plus la voix, hein. J'ai la flemme. Mother has left. Je peux pas y aller dans la... On dirait qu'il y a une espèce de plongeoir en fait à la grange. Bon, tant pis. Et pourquoi cette bouffonne me laisse absolument tout seul tout le temps? Merci Jumanju pour ton tier 1, bienvenue. Alors. Qu'est-ce qu'elle m'a préparé? Tu me fais à manger parce que... Tu fais rien là, maman, t'es au courant quand même. D'ailleurs, je voulais te demander. Comment va ton père? Tu l'as parlé quand il t'a ramené dimanche soir. T'en rappelles? Depuis que tu es tombé malade, il est resté uniquement dans son travail. C'est pour ça que je l'ai rarement vu ces derniers jours. Il vient toujours tous les vendredis soirs, rapidement, juste pour voir comment les choses se passent. Oh. Il est tellement déterminé à faire les choses telles qu'elles doivent être. C'est peut-être un peu long comme traduction. Allez, on va au lit. J'ai envie de refaire la voix et des fois pas envie. Il se fait tard. Ok. J'ai l'impression que le jingle, il est de plus en plus aigu. Bon, les jours passent et se ressemblent, hein, ceci dit. Je vais essayer de voir mon... Oh, il y a de la lumière. Frérot ? Elle t'a nourri avec de la terre ? Hein ? Ce matin, by the way ? Je suis pas sûr de ce qui est pire.
le fait qu'elle te dise que c'est ton plat favori ou le fait que tu la crois? Ah, c'est un bureau, d'accord, c'est son bureau. Donc là, j'ai bouffé de la merde qu'il y avait dans le jardin ce matin. Oh, elle est là, la daronne. Ah! Oh putain, ça m'a fait trop peur. Je merveilleuse. Ne lui dis pas que je t'ai dit ça. Mais j'ai toujours pensé que tu étais un meilleur. En parlant de ton frère, est-ce que tu as eu la chance de parler avec lui un petit peu? Je suis certaine qu'il est juste heureux de te voir ici à la maison, comme je le suis. Il le montre de sa propre façon. J'espère que tu t'es bien senti aujourd'hui. Allez, au lit. Ah, je vous ai fait peur, hein. Elle nous fait un freestyle, là. Eh oh, t'es sur Skyrock, maman, là? Attends, je peux y aller, hein? Tu me tuck pas in, par contre, hein. Je vais au lit tout seul, là. And you must sleep to progress. Troisième jour, nous sommes Wednesday morning. Attendez, on était mardi la veille? Enfin, logiquement oui, c'est une question à la con, mais... J'étais certain qu'on était lundi. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Bon, je sais pas si on a compris avec la voix modifiée, mais c'était marrant à faire. C'est mon petit côté de Joker. Alors, elle voulait qu'on ramasse des pommes dans le verger, maman. Bonjour. J'espère que tu es prête pour une journée dans le verger. On devrait faire ça tôt, pour être à fond. Si tu descends, il y a une petite cabane dans les arbres. Bon, vas-y, et je t'expliquerai ce qu'il faut qu'on fasse, ok. Ce sera comme à l'ancienne. Ok, donc il y a le breakfast sur la table. Par contre, vu que mon frère, il m'a dit de... C'est quoi, ça? Ah putain, c'est le siège, je pensais que c'était un visage, quelqu'un qui était accroupi. Est-ce qu'on le prend ou pas, les gars? Moi, j'ai envie de pas le prendre. J'ai envie de le laisser où c'est, vu que mon frère m'a dit ça. Si, c'est qu'après, la daronne va peut-être me faire le reproche de pas avoir pris le petit-déj. Et j'en ai peur. Allez, c'est parti, direction le verger. Vous en pensez quoi pour l'instant, les gars, du jeu? Moi, je trouve ça banger, hein. Pour ceux que ça intéresse, ça coûte 6 balles, hein, si vous voulez le faire de votre côté. Donc, du coup, la petite cabane, elle est là. Bof, ça fait pas peur. Bah, tu rigoles, il y a une petite ambiance quand même. Ah, attendez. Je réponds à Emmanuel. À quelle heure? Hop. Non, je trouve qu'il y a une ambiance. Bon, alors là, la daronne, qu'est-ce qu'elle veut? Mother, tu m'as trouvé? C'est toujours si calme ici à cette heure-là. Quoi de mieux pour commencer une dure journée de labeur? Si tu commences maintenant, tu devrais avoir fini avant l'après-midi. Ou alors jusqu'à l'après-midi. Je pense que 8 pommes devraient être assez. Prends-les avec le seau dans la grange, d'accord? Ok, et je reviens vers elle dès que c'est fait. You picked up the apple basket, you are now able to pick apples. Eh ben putain. Tiens, regarde ça. Une pomme. Tu veux que je t'en ramène une autre? Une pomme. C'est très simple en vrai.
Par contre, j'ai un peu un doute sur le fait que cet arbre fasse littéralement pousser des pommes, hein. Ça, normalement, c'est pas des fruits qu'il y a là-dedans. Je vais aller voir ici. J'en ai 3 déjà, non? Ah, je peux pas voir le nombre de pommes que j'ai. C'est de la merde, ça. Ah, il y en a une là. Parfait. Tu donnes. Encore une. Donc là, ça fait 5. On en a 5? 5 ou 4? On a une là, non? Ah putain, non, c'est la lumière. Et si je vais voir maman avant, elle va pas être contente parce que j'en ai pas trouvé assez, je suppose. Alors là, par contre, on va pas quand même être bloqué sur cette énigme. L'énigme des pommes. Je vais essayer de bien regarder. C'est difficile de voir avec le... avec le filtre graphique, là. Je sais pas où sont les pommes. Ça m'a l'air d'être un bordel pas possible, hein. Il y en a peut-être une ou deux. Oh, j'ai clip! Les gars, c'est une backroom. Oh là, je vois rien du tout. Les pommes! Où sont les pommes? Ça me fait mal aux yeux, sa mère. Ah, en voilà une. Une pomme en plus. Peut-être ici. Attends, je vais essayer de parler à la daronne. Ah, va me répéter la même chose, cette conne. Ok. J'en ai 5 ou 4, là. Ouais, là, c'est vraiment le flou qui me nique un peu les yeux. Et j'ai peur d'appuyer sur échappe, parce qu'en général, quand on appuie sur échappe avec un jeu Unity, ça quitte le bordel. Ça me ferait chier de tout recommencer, hein. Ah, en voilà une. Attendez, je crois que je l'ai déjà ramassé, celle-ci. Donc là, ça fait 7. Il m'en manque une, les gars. Ah, parfait. Voilà, parfait. Après-midi. Je vais retourner voir la daronne. Oh, regarde-toi! Je n'ai jamais vu quelqu'un faire un tel travail avec autant de détermination. Tu as travaillé comme si ta vie en dépendait. Ce n'est pas... N'est-ce pas agréable d'être ici, dans le vrai monde? Quand je suis ici, ça me fait sentir vivante. Ça me connecte à ce monde. The smell of the fall air. Ah, l'odeur de... Fall, c'est quoi déjà? C'est la fin de l'année ou c'est... Je me rappelle jamais. This fall. Je crois que c'est la fin de l'année. L'automne. Ah, c'est l'automne. My bad. The crunching of the leaves beneath my feet. Le craquement des feuilles sous mes pieds. Oh la vache. S'il n'y avait pas ces choses-là, ces expériences tangibles, eh bien... Menial task, it will be nothing more than just another menial. Je suppose quelque chose qui n'a aucun intérêt. Quelque chose de futile. Mental. Ça, c'est un thé, ça, Marcel. Un thé? Ménial, je pense que c'est futile. Quelque chose que je ferai simplement pour faire les choses. Pour que je puisse passer à la prochaine chose à faire. Désolé. Des fois, je me révèle, je me dévoile un peu trop quand je suis ici. Bon alors. Place le petit seau sur le... truc where you picked it up, ok. Then you should take a rest, you've earned it. Ok, ensuite je vais me reposer, ça marche. Shelf place basket, hop là.
Et du coup, ça sert à rien ce qu'on a fait? Tu entends la mère repartir directement dans la maison. Ok. Et on se repose ensuite. Je vais spawn encore dehors, c'est sûr et certain. Ah oh, putain, j'en étais sûr. Tu t'es reposé. Mais comment tu veux te reposer en étant dehors toute seule dans ce putain de truc horrible? Ouais, ouais, je vais aller voir mon frère. Ah, par contre... Ah! Le daron, il m'appelle demain. Attendez, elle a dit que mon daron, il revenait le vendredi soir et que mon daron, il m'a dit qu'il allait appeler jeudi soir. Et je crois qu'il y a autre chose qui se passait, mais j'ai oublié. On va voir. Là, on est le soir, hein. Evening. Ouais, voilà. Tombé de la nuit, quoi. Où est-ce qu'elle est, la daronne? Est-ce qu'il y a plusieurs daronnes ou il y en a qu'une? Il y en a qu'une. Maman? Je suis désolé d'être parti si vite à la maison. Je n'ai même pas eu la chance de voir ce que tu avais ramassé, je ferai ça plus tard. Comment ça? Tu as vraiment travaillé dur aujourd'hui. Même si tu ne te sentais pas réellement comme toi. Tu devrais être fier de ça. Repose-toi. Oui, maman, mais... Et ce qu'il y a, c'est que sous... Ah ? Yana, est-ce que je peux te demander quelque chose ? Quand je te parle des choses que tu faisais avant, quand tu étais plus jeune... Tu ne te rappelles de rien, n'est-ce pas ? Ça va. Tu n'as pas à faire comme si c'était le cas. C'est tard. Je te parlerai le matin. Ce qu'il y a, c'est que là, souvent, la daronne, quand je la retrouve, elle est en face de cette pièce. Donc, elle doit faire des trucs là-dedans. Je sais pas si elle se tripote ou il y a un délire, mais c'est cocasse, quand même. Frérot de la Vega, est-ce qu'il est là? Non, personne. Elle va être encore dans ma chambre, cette conne. Elle est pas là, ok. Je vais direct dans le dodo, là. Tu as travaillé dur aujourd'hui. Maman suggère que tu ailles au lit pour te reposer. Putain, c'est long, hein, quand même, hein. J'en sais pas que ça allait durer autant de temps. Merci, Magix, pour ton 6e mois, merci beaucoup. Une demi-année. Bon, alors. Du coup, les gars, c'est aujourd'hui que notre daron nous appelle ce soir, hein. Donc ça va peut-être être un peu mouvementé. Il nous parle toujours pas, lui, hein. Aucune réponse. Ah, attendez, j'ai un truc dans l'œil, là. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 ça pique. Où est-ce que tu es, maman? Ah, une petite note. C'est une note pour toi, Liana. J'ai commencé à ne pas me sentir très bien la nuit dernière. J'ai dû retourner au lit. Ton petit déjeuner est sur la table. De la part de maman. Je suis obligé de le consommer ou je peux m'en foutre. Attendez, c'est peut-être l'occasion pour moi de tenter d'aller dans la pièce interdite. You are forbidden from attempt. Je peux pas y aller. Attendez, je vais aller voir maman du coup. Je suis le seul qui l'a vu à l'entrée de la maison. Comment ça? Il y avait un truc? Là? Non, j'ai rien vu du tout, les gars. Et vous commencez à me faire flipper, hein. Bande de cons. J'ai rien vu du tout. Je vais essayer de knock-knock. Ah non, je peux même pas y aller. Bon, bah... Si c'est que je me doute qu'on ait rien d'autre à faire que d'aller voir ce qui se cache dans la grange, peut-être. N'est-ce pas?
Je peux pas passer là. J'ai envie d'aller voir si c'est ouvert en fait là-bas. Si ça se trouve, elle est parcou... C'est ouvert? Ah non, putain, c'est pas ouvert. Je peux même pas passer ici. Je vais aller voir s'il y a mes pommes dehors. Je suis pas sûr 100%, mais je crois que je l'ai vu à l'entrée de la maison. Mais putain, moi j'ai vraiment rien vu du tout. Hein. Pourtant, je suis bien passé devant, mais j'ai rien capté. Vous avez certainement raison, hein. J'ai rien vu du tout. Ouh. Allons voir les pommes. Elle est là, cette conne. Tu t'es pas du tout recouché, bouffonne. Maman est en train de parler au téléphone. Je ne sais juste pas jusqu'à quand je vais pouvoir faire ça. Avec tout le respect que je vous dois, c'est... facile de dire ça pour toi. Tu n'es pas celui qui est bloqué ici. Oh, elle doit parler au daron. C'est la même chose. Semaine. Du début à la fin de la semaine. Tu sais. Le plus tu me dis sois forte. Plus ça sonne. Comme si tu pensais que je ne l'étais pas. Ok. Faisons face aux choses. Nous avons renoncé à la nature elle-même. This curse is our punishment. Cette malédiction est notre punition. Ok, je dois y aller. Il devrait se réveiller d'une minute à l'autre. On se voit demain soir. I leave our bedroom door unlocked tomorrow evening. The same as usual. Oh putain. C'est que c'est l'heure de la péter à cette heure-ci. Ok, je m'en vais. Attendez, est-ce que je peux lui reparler ou... Oh, ok, c'est le même truc. Je vais retourner à la maison. Bon, là, elle est forcément avec le daron au téléphone. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette curse? C'est moi la curse? C'est pas très gentil, quand même. C'est que je vais être obligé de bouffer, non, mon petit déjeuner. Alors je m'assois. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc qui trigger? Ou alors je fais mine de rien, je retourne au dodo. Et je me lève après. Can I sleep when someone... Pardon? Il y a personne dans la... Ma pièce. Hein? C'est ma garde-robe. Comment ça? Comment ça, y a quelqu'un dans ma pièce? Hein? Qu'est-ce qu'il me raconte, ce jeu de merde? Quelqu'un là? Y'a personne dans ma pièce là? Non, y'a rien au plafond, les gars. Si ça se trouve, y'a quelque chose, mais dans le lit en fait, non? Je peux même pas ouvrir le placard ou quoi que ce soit. C'est bizarre cette histoire. Il y a une connerie là, il y a quelque chose. Je vais voir le frérot. Putain. Et du coup, tout à l'heure, vous aviez peut-être raison, hein. Il y avait peut-être quelqu'un dans la... En face de la porte d'entrée de la baraque. Putain, du coup, j'hésite à bouffer ça pour que ça trigger un événement. J'en sais rien, en fait. Ok, c'est ça. J'avais juste à bouffer, en fait.
Alors où est-ce qu'elle est, maman, là? Elle est rentrée? Ou elle est toujours dehors? Elle est là. Maman? Yana! À propos d'hier. Si j'ai pu paraître irrité, dans ce cas, je suis désolé. J'espère que tu peux m'excuser. J'ai juste besoin d'avoir de l'espoir. Tu n'es toujours pas bien. Et ce n'est pas bon de ma part d'essayer de te pousser. J'ai été égoïste de penser que c'était à propos de moi. Allez, va, mon ange. J'ai juste besoin de penser aux choses. Alors là, c'est papa. Papa. Allô. Yana. C'est toi, n'est-ce pas? C'est ton papa. Je t'avais dit que j'appellerais. Comment va mon petit ange? Je suis toujours aussi occupé au travail que je ne l'ai jamais été. J'ai un bon pressentiment à propos de la chose sur laquelle je travaille en ce moment. Je pense que ça pourrait vraiment être la chose. Can't you see what I... Hein? To who? Hein? To my wife, of course. What it's to you anyway? Sorry about that. Qu'est-ce qu'il vient raconter, ce débile? Désolé à propos de ça? Ah, certaines personnes sont trop intéressées à propos de ce que je fais. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, la raison pour laquelle j'ai appelé. Outre le fait que je voulais t'appeler de toute manière, comme je te l'avais dit, ta maman m'a appelé dans le verger ce matin. Elle m'a dit que les choses n'allaient pas aussi bien qu'elles le devraient. Je suis tellement désolé de l'apprendre. J'espère juste que ça n'a aucun rapport avec toi. C'est juste que... Elle a traversé l'enfer dernièrement. Alors ça, je viendrai lui rendre visite demain soir. Et autant que j'aimerais énormément aussi passer du temps avec toi. C'est juste pas possible en gros. C'est pas safe, c'est pas sûr. Dans le sens, c'est pas que c'est pas sûr, mais c'est pas sûr pour moi, pour ma santé. Pour toi comme pour moi. Voilà. Anyway. Hein? Try not to fight it, will you? Goodbye. Essaye de ne pas te battre contre ça. Oh putain de merde. L'optimisme de cet homme. Attends, mais je me fais battre? C'est ma maman qui se fait battre It's not often you see a man's greatest strength also become his greatest weakness. Ça n'arrive pas souvent que tu vois que la plus grande force d'un homme soit aussi sa plus grande faiblesse. Et même s'il a perdu beaucoup de choses, son espoir n'en fait pas partie. Pourquoi j'ai des textes là? C'est un bug ça? Maman, il y a un bug là dans le jeu, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses. Viens dehors. J'ai quelque chose. Elle va me montrer un truc. C'est un bug ça, là. Maman, tu me fais peur. Les nuits ont été très froides dernièrement, tu l'as remarqué? C'est le genre de nuit qui inspire la gratitude d'avoir une maison comme la nôtre. Celle-ci est particulièrement frissonnante, n'est-ce pas? Je veux que tu marches directement vers la lune. Tu me trouveras de l'autre côté de la route. Maman? Maman! Qu'est-ce qu'elle me veut, la vieille, là? Qu'est-ce qu'elle fait?
Mais y'a papa qui va arriver là. Nous y sommes. Tu pourras pas aller plus loin? Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu dormes ici ce soir. Je veux que tu me montres. J'ai besoin de savoir. Et je sais que tu le feras. Je dois dormir là, maman? Mais comment ça tu veux que je dorme ici? Où ça, maman? Je dors où, juste? Attendez, mais c'est horrible le son, là. Non, non, moi je retourne à la maison. Je vais voir mon frère. Je sais pas ce qui se passe là. Et pourquoi il y a du texte là, sa mère la pute? Personne ne m'explique rien. Frérot! Pas de réponse. Putain, c'est pas ouvert. Donc là, je peux pas dormir, là. Mother has an objective for you. Elle attend en bas. Comment ça? Bah non, mais elle me l'a dit. Attendez, je vais voir à la grange, par hasard. On voit rien du tout, mais c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Et pourquoi il y a du texte si présent? Il y a marqué quoi? Allez, j'essaye de voir à la grange. Je crois que j'y vais, là. Ah non, ça sert à rien. À la grange, elle est toujours éclairée, ceci dit. C'est bizarre. Bon, bah je vais retourner là où il y a la daronne. Hein. Ah non, mais quand je dis personne m'explique, je parle pas de vous, les gars. Je parle de dans le jeu. Elle veut que je dorme là-bas, la vieille. Maman? Je veux bien dormir là, mais explique-moi où? Oh putain, on attend jusqu'à demain matin. Mais c'est terrifiant franchement. You feel well rested. Bah j'ai dormi au bord de la route quand même. Ok, donc apparemment je suis reposé. Je suis reposé là. J'ai passé une bonne nuit de sommeil, tu vas me dire, à côté de la route, dans le froid. D'accord. Ok, ensuite. Maman? Tu... Ça va? Elle bouge plus. Alors tu t'es bien reposé? Maman? Qu'est pasta? No dialogue. Ton petit déjeuner est sur la table. Tu n'as pas à le manger? Mais maintenant, c'est comme si c'était son seul choix, quoi. Attendez. Attends. Elle va me refaire le dialogue, là? Ok, donc tu n'as pas à le manger, mais maintenant, ce serait ton seul choix. J'entends marcher, j'ai l'impression. C'est peut-être moi, en fait.
Report to Mother for your next objective. Ok, alors là on est vendredi, donc techniquement ce soir mon daron il vient à la maison, non? Je vais t'amener dans la tombe. Juste aujourd'hui. Ah, tu seras juste autorisé à aller dans le cimetière juste aujourd'hui. Du coup le cimetière c'est là, non? Ouais, c'est ouvert. Ouais, c'est une aventure, hein. Il y a quelque chose, là. On sait toujours pas ce qu'il y a dans la grange. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a Alexis Texas toute nue devant, là? Error. Proceeding could risk core instability. You must not proceed. On doit pas continuer? Il y a marqué I must proceed en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Object blocked to prevent potential conflict. Objet bloqué pour éviter tout conflit. Cet objet a été bloqué mentalement. Tu es sûr que tu veux continuer? Oui. Mental block removed. Hein? Regardez cet objet pourrait provoquer des conflits. Un conflit pourrait saturer la mémoire ou faire échapper de la mémoire. No, the thing of any unit shown to suffer a core conflict. Are you sure you want to continue? Je continue. Level up. J'ai pris un niveau, les mecs. Notre ange. On ne t'abandonnera jamais. C'est moi? C'est ma tombe? Oh putain. Maman, c'est moi? Comment ça te fait sentir? Comment tu te sens? Tu peux parler si tu veux. Maman, c'est toi? Est-ce que tu peux m'entendre? Tu n'as rien à dire? Oh, je suis un fantôme. Je suis ici! Tu n'as rien à me dire si tu le veux. Pourquoi elle ne peut pas m'entendre? Ouais, donc je suis un fantôme. Est-ce que je suis en train de rêver? Je dois retourner à l'intérieur. Ton père vient nous visiter. Et j'ai besoin de préparer son arrivée. Papa est ici également? Va au lit. Tu te demandes peut-être ce qui est en train de se passer. Ok. On parlera de ce qui est arrivé le prochain matin. Core conflict contained, control restored. You feel a drop of water on down your face. Oh, c'est triste. Oh. J'ai eu un petit rototo et on voit plus rien du tout. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bordel? C'est la chambre du daron, ça? Il y a un truc dans la chambre du daron. Ah, ok, ils sont en train de se fâcher. C'est pas ton histoire... Enfin, c'est pas tes oignons, quoi. Ambiance de fou, hein, franchement. Oh putain. Eh, tu fais plus jamais ça, la vieille, hein. Merci au fait, Thibou Fume, pour tes 1 euro. Le nom du jeu, c'est Mothered. M-O-T-H-E-R-E-D. Tu es debout, mon ange. Ça ne va pas. Je voulais juste te dire que tu peux rester dans ta chambre aujourd'hui. Tu n'as rien besoin de faire pour moi. Ton papa va venir te chercher demain soir. Donc jusqu'ici, attends ici, quoi.
D'accord, ça marche, ça marche. On fait tout ce qu'on peut pour t'aider. Tu le sais, ça? C'est ma fille. Be with mother. Ah, il faut que je retrouve la maman. Où est-ce qu'elle est partie, la vieille? Oh! Oh, c'est une chambre pour m'observer! Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce qu'elle est, maman? Ah, elle est pas là. Et le frérot? Non, il y a personne. Elle est là. Maman? Oh, ma chérie, tu m'as fait peur! Je t'ai dit de rester dans ta chambre, s'il te plaît. C'est pour ton propre bien. Mother is hiding. Non mais attends, mais elle va jouer à cache-cache toute la journée, la bouffonne, là. Où est-ce que tu es, ma vieille? Ah putain, je peux pas y aller ici, ça casse les couilles. Elle est peut-être dans la grange. Ça se trouve, elle est dans la grange. Ouais, je vais aller voir. Oh! Mais qu'est-ce que tu fous là? Maman, je t'ai trouvé! Ce que tu as vu hier au cimetière, s'il te plaît, essaye de ne pas le laisser t'avoir. On fait tout ce qu'on peut pour t'aider. S'il te plaît, écoute. Je préfère que tu ne fasses rien. Juste arrête. Tu me fais peur. Ok. Be with mother. Je vais la retrouver, la bouffonne. Ça se trouve, elle est re-rentrée. Hein. Je veux juste voir si on peut aller dans la grange. J'ai l'impression, en fait... Petite supputation. J'ai l'impression que moi, petite fille, je me suis suicidé là. Parce qu'il y a une sorte de plongeoir là. J'ai dû sauter là. Hop. Je me suis suicidé. Je sais pas si c'est ça, hein, mais... En plus, il y a le fait que tu puisses voir la... La grange depuis ta chambre et tout. Qu'est-ce qui a marqué là? Core objectif, be with mother. Donc c'est pas des bugs ça, si ça se trouve. En fait, c'est des... C'est des glitches de la réalité, en fait. Elle doit être aux chiottes. Alors, maman? Qu'est-ce que tu branles? Hors de ma vue! Qu'est-ce que tu me veux? Je n'ai rien pour toi. Juste laisse-moi toute seule. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, quand il y a marqué level up, dans le coin en haut à droite, il y a marqué contamination level, et le pourcentage fait que d'évoluer. J'étais à 15% avant, et maintenant je suis à 19%. Je sais pas ce que ça veut dire. Elle est sur la route, la conne? Je vais essayer d'aller la voir. Ça fait flipper, hein. Elle est sur la route. Putain, c'est tellement stylé l'ambiance, franchement. C'est autre chose que le jeu auquel on a joué vendredi dernier. Comme tu peux le voir, il n'y a rien pour toi ici. Mais... Ce n'est pas la raison pour laquelle tu fais ça, n'est-ce pas? Je ne suis pas ta mère. Je pense que tu le sais, ça. Tu m'utilises juste pour passer le temps. C'est la seule raison pour laquelle tu es ici, dans ce monde. Je sais ce que je dois faire.
Où est-ce qu'elle est partie? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte, la Vioc? Ok. Ça brille là-bas, là. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie d'aller voir pourquoi ça brille. C'est peut-être juste une lumière, mais... Non, j'ai l'impression que c'est un texte. Je vais aller voir. Si c'est que ça a l'air d'être... Je sais pas si c'est dans la grange où j'ai mis les pommes ou si c'est... Attendez, je vais aller voir, je vais aller voir. J'ai l'impression que c'est un texte. Qui sustente. Vous voyez? Ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Mother. Mon ange, ça ne va pas? Ton père va te chercher demain soir. Il a travaillé aussi dur qu'il le pouvait pour... Pour que tu ailles mieux? Mais on t'a ramené à la maison avant que tu sois prête. Tu n'es pas si différente des pommes dans ce seau derrière moi. Je suis tellement différent. Je suis tellement... Désolé, pardon. Tu dois rester ici jusqu'à ce que ton père arrive demain soir! Je vais fermer la porte derrière toi, you are forbidden for... Oh, j'ai même pas le droit de l'ouvrir! C'est la seule façon. Tu ne comprends peut-être pas, mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Quand je dis ça, c'est pour ton bien. Ne nous fais pas repasser par ça encore une fois. Abandonne maintenant. Ok. Donc là, je vais vraiment rester là-dedans jusqu'à demain soir. Ces pommes... I've got their cores cut out. Ont été coupés et on sont en train de pourrir. Maman, maman, c'est... Tu décolles, là! Il y a un truc qui se rapproche. J'ai l'impression qu'il y a un son qui se rapproche. Je sais pas si ça se rapproche ou si c'est juste moi qui suis en train de déconner totalement, mais... Il y a un truc. Be with Mother. Bah ouais, je veux bien être avec Mother, mais je peux pas! Merci pour les 100 bits, Coil Twitch. Merci beaucoup. Ah, je suis désolé, mais je suis à fond dans le jeu, là. Y'a pas une petite entrée, un truc là, par lequel je peux me faufiler? Tu n'es pas si différente des pommes. C'est ce que maman a dit. Elles sont en train de pourrir. Mais oui, donc moi j'ai été coupé, et du coup je suis en train de pourrir aussi, je moisis. Functional stalemate rich. C'est quoi ça, stalemate? Contingency? Initialize backup core? Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai envie d'être avec maman. J'ai envie de partir. Pourquoi? Maman... Hein? Mais j'ai besoin de la voir. J'ai besoin d'ouvrir cette porte. Ouais, c'est ouf quand même, hein. J'ai réussi à ouvrir. Allez hop! Core disconnected, automatique control resume. Allez, on va aller chercher la Vioc. Merci Yaya pour ton prime, bienvenue. Allez, on y va. Je vais la chercher, moi, tu vas voir. On est toujours samedi soir? Ouais, putain. Si ça se trouve, il n'y a plus de maraque, hein. Oula oula, c'est Silent Hill, là. Oh putain, y a Snoop Dogg. Y a Snoop Dogg qui est passé là. Hein. Maman, où est-ce que tu es?
Je viens te chercher, hein. J'arrive même pas à me repérer. Je vais essayer de monter. Elle doit être là-haut. Oh la vache. Frérot. Allez là. Fiston. Ferme ta porte. Quoi qu'il en coûte, d'accord. C'est juste pour une nuit. Y'a pas besoin d'avoir peur. Juste, n'ouvre pas cette porte à ta sœur. Quoi qu'il en coûte. Tout ira bien. Putain, m'a fait peur. Recule! On veut rien de toi! Pars-toi d'ici! Qui que tu sois! Laisse cette famille toute seule! J'appelle ma mère. Et tu ne fais aucun son. Ah putain, merde! Elle ne t'entend pas, tu dois réessayer. Allez, je réessaye. Est-ce que j'ai parlé? Ma chérie, mon chéri, reste dans ta pièce. La contamination a commencé. Est-ce que c'est pas ce que tu voulais qu'il arrive? Pas comme ça, not like this. Ce n'est pas notre petite fille ici. C'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que l'on fait? Elle a besoin d'un objectif. Sans un objectif, elle va nous chasser jusqu'à ce qu'elle en ait un. Je t'ai dit d'attendre jusqu'à ce que ton père arrive. La contamination a déjà commencé. Je vais essayer de lui donner un autre ordre. Liana, ma chérie, attends ici jusqu'à demain matin. Tu n'es pas elle. Tu n'es pas elle, tu n'es pas elle, tu n'es pas elle. Qui suis-je? Tu n'es pas toi. Bon alors là, putain... Alors là... J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Et il me dit qu'il y a encore quelqu'un dans ma pièce. Je ne suis pas moi. Comment ça, je ne suis pas moi? Ça me fait penser à Pity, n'empêche. Are you sure... The only you is you. Avec le sac là qui parle. Sac en plastique. Je vais essayer d'aller voir dehors. Peut-être que cette fois-ci la grange s'est ouverte. Bon. Le cimetière il est pas ouvert. Oh putain. Ah non, je pensais que c'était ouvert. J'ai le seum. Je vais quand même essayer d'ouvrir, mais ça m'étonnerait que ce soit possible. Putain, où est-ce qu'elle est, la daronne? Je sais pas trop encore, en fait, j'ai pas tout à fait compris encore si ça parlait de... d'amnésie, de schizophrénie, de suicide, de... Je sais pas. Peut-être qu'il faut que je retourne... dans la petite cabane, avec les pommes. Y'a peut-être plus les pommes dans la grange, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Y'a plus les pommes. Alors que c'est le seul truc qui nous ressemblait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de retourner là où... Peut-être là où on était... J'sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas, mais je pense que c'est juste la route. J'essaie d'aller voir au bout, là. Au bout de la route. Ah, franchement, par contre, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai fait. Un des meilleurs jeux indés d'horreur comme ça que j'ai fait. Hein. C'est... L'ambiance est vraiment folle. Y a un truc de ouf. Hein. Oh, je pense pas que je dois aller quand même jusqu'ici. Ça m'étonnerait. T'es allé voir dans la salle de bain? Ouais, j'ai ouvert la porte, mais j'ai rien fait, quoi. Après, j'ai pas interagi avec la porte de mon...
de mon petit frère. Il y avait peut-être un truc à faire avec ça. Vu qu'elle lui avait interdit de laisser sa porte ouverte, mais qu'elle était ouverte, peut-être que je peux faire quelque chose. Je vais aller voir. On va aller voir. Parce que là, j'ai aucun objectif qui s'affiche. C'est quoi ça? Ah, c'est juste un reflet. Oh! Personne n'est au bout. Putain, je pensais que c'était ça. Oh, putain, je peux pas ouvrir cette merde. Peut-être que si je prends mes médicaments... Je refuse. Oh, j'ai refusé de bouffer la merde, là, les nutriments. Faudra que je cherche quand même ce que ça veut dire nutriente, ça. Je pense que... You are forbidden from touching this... Is it... Hein? D'accord. Ça appartient à papa. Alors allons voir là-haut, c'est forcément là-haut qu'il y a un truc à faire. Peut-être dans les cagouins. Frérot? Pas de réponse. Mais putain! Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce qu'elle est la vieille là? Si ça se trouve, il y a vraiment quelqu'un dans ma pièce. Hein. Ce qui me chiffonne, c'est qu'on voit la grange. Il y a forcément un truc avec la grange, c'est pas possible. Attendez, on va redescendre. You are not you. Juste, j'essaye de me rappeler ce que la daronne a dit tout à l'heure. Elle a dit que je ressemblais aux pommes. Que j'étais pas si différente des pommes. Mais... À part ça... Je vois pas ce qui pourrait nous servir, en fait. Je vais retourner dans le salon pour voir. Ça, c'est quoi, ça? Ça doit être la grand-mère. Don't need to watch TV. Je sais même pas, je peux même pas interagir avec ça. Non, c'est forcément un truc dehors. Merci, gros Bertos, pour ton 6e mois. Merci beaucoup. Est-ce que là, je peux y accéder? Peut-être que je peux l'ouvrir? Merci Encre Gazard aussi. Pour ton 6e mois aussi. Putain, c'est beaucoup... pour beaucoup d'entre vous, c'est votre 6e mois, là. Ça fait plaisir. Si ça se trouve, c'est la fin, en fait. J'ai fait un truc qu'il fallait pas et je suis baisé. Je vais aller voir... C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait pas un truc à faire dans le verger. Si ça se trouve, il y a quelque chose à ramasser là-bas. J'ai forcément zappé un truc, c'est sûr. Je regarde quand même là-bas. Non, y a rien du tout. Alors. Merci Insomniac Attack pour ton tier 1. Putain, le rythme de la chanson, il avait changé, là. Y'a plus de pommes? Les gars, y'a plus de pommes. Merci Marc Azimir. Pour tes 15 mois. Merci beaucoup. Alors là, je suis bloqué, hein. Oh! Ouais, c'est vrai que je nous clip à travers les arbres. Attendez, mais c'est vrai, ça? Est-ce que ça voudrait dire que je peux nous clip à travers quoi que ce soit? J'ai quand même pas la pression. Attendez, je vais essayer de passer à travers la porte du cimetière. Attends, Mister, avant de me spoiler ou quoi que ce soit, je te demanderai uniquement si j'en ai vraiment besoin.
Je vais essayer de nos clips là. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Tu n'es pas toi. Si ça se trouve, il faut juste que je m'en aille en fait. Si ça se trouve, il faut juste que je m'en aille. Vu que je ne suis pas moi. Elle voulait qu'on reste en dehors de... Ma daronne, tout à l'heure, elle m'a dit, va-t'en, tu dois plus être avec nous. Si ça se trouve, elle veut que je me barre. Hein. Putain, hey, c'est trop bizarre. La map est gigantesque quand même pour un jeu indé comme ça. Attendez, je fais l'inventaire des choses qu'il y a dans la maison. La chambre de la daronne, on peut pas l'ouvrir. Ma chambre, on a essayé d'interagir avec les trucs. Ma garde-robe, il y a toujours mes vêtements dedans, mais je peux pas interagir avec. La salle de bain, il y a les chiottes. Il y a le miroir. Ah, le miroir, il y a peut-être plus les bandages, en fait, dessus. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, si ça se trouve, you are not you, si ça se trouve, il faut que je vérifie si je suis moi ou si je suis pas moi, en fait. Tout simplement. On va voir. C'est pour ton propre bien. Genre, je peux pas le retirer, ça. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. Putain. Oh, ça aurait été un truc de ouf si c'était ça. Oh, putain, c'est pas ça. Fais chier. En plus, là, je sais que c'est même pas un vrai tableau. C'est un miroir. Forcément un truc, là. Spam pour aller dans la chambre de ta mère ou frère. Bah, je pense pas que ce soit ça, hein, franchement. Je pense pas que ce soit ça. C'est trop bizarre. Hein. Putain. Il veut rien du tout. Je vais aller voir en bas, dans la cuisine, j'ai peut-être raté quelque chose. Même cette pièce là, c'est trop bizarre. Chier. Knives. The kitchen knife. Je peux pas prendre le kitchen knife. This cabinet is used for storing various ceramics for dinings. Putain. J'aimerais prendre ça, s'il vous plaît. Je peux pas prendre. Moi, j'aurais pris ça et j'aurais découpé les trucs là-haut, quoi. Bon, spoilez-moi, les gars, je veux savoir. J'ai la flemme d'attendre. Dites-moi ce que je dois faire là. Juste ce que je dois faire, pas la suite. Le père qui doit te ramener, le tel je crois. Le mec dans la vidéo spam la bouffe, ok. Je vais essayer de faire ça. Je lis pas plus. A plate of dirt, I will not... Oh putain, c'était ça, sérieusement? C'est que des fois ce truc là on le bouffe et ça fait rien, et des fois on le bouffe et ça fait des trucs. Ouais, bon, merci pour l'aide, hein, c'est gentil. Je pensais qu'il allait avoir une petite énigme là. Non, je ne le ferai pas. Mon ange, c'est moi, c'est ton papa. Écoute-moi.
Peut-être que les choses sont très bizarres pour toi en ce moment. Mais tu dois nous croire. Tu dois nous faire confiance. Je viendrai te chercher ce soir. Essaye juste de ne pas perdre la tête jusqu'ici. Quand on a parlé la dernière fois, j'ai mentionné le fait que ta maman m'a appelé depuis le verger, mercredi matin. Elle m'a dit que tu étais malade. Eh bien, nous faisons tout ce que nous faisons pour... nous faisons tout ce que nous pouvons pour t'aider. Mais il faut que tu coopères. Ma recherche est allée si loin cette semaine. Et tu montres déjà des signes d'amélioration. Donc je pense que tu feras beaucoup mieux la semaine prochaine. De toute façon... Ça veut pas dire ça, anyway. Attendez, je suis con ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, anyway? J'ai le mot au bout de la langue. Je suis trop con. Dans tous les cas... Ouais, mais je crois qu'il y a une autre... Bref, voilà, merci, c'est ça. Je vais dans ma voiture. On a un long voyage à faire, donc on ferait mieux de s'y prendre tôt. On se voit plus tard. Et s'il te plaît, n'essaye pas de le combattre. Heal up. Bouffe. Tu veux que je bouffe? Oh putain, elle m'a fait peur cette connasse. Oh la vache. Bonjour mon ange. Je t'ai fait à manger. C'est pour ton bien. Pourquoi elle est comme ça là? D'habitude c'est quand elle nous parle pas qu'elle est comme ça. Ne fais pas ça, dégueulasse. Maman, pourquoi tu regardes là-bas, là? Plus pour longtemps? Not long now. J'ai le kitchen knife? Pourquoi il y avait marqué The Kitchen Knife à gauche? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il y avait marqué The Kitchen Knife. Attendez, ça se trouve, il est dehors, le Kitchen Knife, il est dans la grange. Je vais aller voir. Bah, essaye de le prendre, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais à chaque fois ça me lance le dialogue. Putain, le son est horrible. Hein. Mais non, c'est toujours pas là, putain de merde. Tiens, c'est que je l'ai pas vu, le kitchen knife, dans ses mains. Où est-ce qu'il est, ce putain de couteau de merde? Je vais essayer d'aller le choper dans la cuisine. Si ça se trouve, en fait, il est pas dans ses mains, il est dans... Il est juste resté dans la cuisine, en fait. J'ai eu le kitchen knife. C'est une note pour Liana. Et Liana. J'espère que tu es arrivé à la maison, comme il faut. Et putain, mais c'est la note que j'ai eue quand je suis arrivé à la maison. Mais utilise le putain de couteau! It's time to end this. Où est-ce qu'elle est, la daronne? Je vais la couper en morceaux. Putain! Mais c'est horrible, la musique, là! Oh! Putain de merde. Ouais, peut-être la grange, mais... J'essaie d'interagir avec tout ce que je peux. J'allais voir. Putain, si c'est la grange. Oh, c'est la grange. C'est la grange. C'est quoi, ça?
Attends, putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un trou infini? Oh, je vois l'ombre de ma mère, elle est là. Regardez le ray tracing un peu. Hein. Alors toi, si je te nique pas... C'est quand même stylé parce que... Là, rien qu'avec... Grâce aux ombres, on a l'impression qu'en fait, la daronne, c'est une... C'est une marionnette, en fait. Ah, ça... Il y a peut-être des seconds sens et tout, hein. C'est pas mal. Hein. The box is empty. Ah, c'est la boîte que j'ai ramenée au papa. Je savais que tu allais venir, de toute façon, ici. Qu'est-ce que tu as? Ah, bien. Tu as amené le couteau. Donne-le-moi. Maintenant, c'est notre chance pour la tuer. I hand mother the knife. What? No, no, no? Ah putain, je suis en plein conflit avec moi-même. C'est bien, ma fille. Maintenant, regardons le soleil se coucher. Pourquoi est-ce que tu l'as donné? Vous voyez, il y a deux trucs différents, en fait, entre ce que je fais et ce que ma tête me dit de faire. Rapproche-toi autant que tu peux. Core objectif, c'est time to end. That isn't what I meant. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, elle va me répéter la même chose. Ok, je sais ça, tu m'as déjà dit. Je suppose que je dois aller là. Maman? Qu'est-ce que je dois te faire, maman? Tu vas me redire la même chose? Putain. Elle me répète la même chose. Qu'est-ce que... Mother. Je ne voulais pas avoir cette conversation. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une... je sais pas, je vais traduire ça par... une présence de toi, ici même. J'ai quand même le besoin de... J'ai l'impression de te devoir une explication. Rien de tout ça n'était ta faute. Tu as seulement fait ce qui était possible, avec tes moyens. C'est la seule façon... que ce monde a été présenté à toi? En fait... Can it seem that the way I appear to you is just as natural as the way you appear to me? Je peux seulement comprendre que... c'est tout autant innaturel la façon... dont j'apparais à toi que la façon dont tu apparais à moi. J'espère que ça passe. Mon ange, qui que tu sois, nous existons dans deux réalités séparées. Nous pourrions continuer toutes les deux à jouer nos rôles respectifs. On pourrait toutes les deux prétendre que nous avons une connexion, une expérience partagée. Mais ce ne sera jamais un remplacement pour ce ne sera jamais un remplacement pour quelque chose d'authentique. Comme si je n'allais jamais être ta mère, tu ne seras jamais ma fille. Tu ne seras jamais elle. Et c'est ok. Puisque une fois que tu trouves ton intérieur, ton toi, tu peux être qui tu veux. Alors là, on ressent la maman mettre sa main sur notre tête. Est-ce que tu peux regarder ça? Oui. Tiens, regarde-moi ça, c'est magnifique plutôt. Je viens ici tous les dimanches soirs pour regarder ça. Je ne pourrai jamais manquer le soleil qui se couche pour rien au monde.
Maman ? Après c'est juste ça, vas-y, fais tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Elle m'a tué là ! Rebooting. Click to continue. Phaser. Il y a une tempête qui approche. Ah. J'ai compris. J'ai compris. En gros, du coup, le daron serait un créateur de robots. Ils ont dû perdre leur fille dans un accident, quelque chose, une maladie. Du coup, ils essayent avec... avec le robot de... Je sais pas, de transparaître la conscience, l'esprit de leur fille dedans, quoi. Enfin, c'est ce que je comprends. Mais... C'est propre, hein, quand même, hein. La vache. On suppose que là, c'est une boucle qui recommence indéfiniment, du coup. Il y a peut-être plusieurs fins. J'ai pas l'impression, parce que... C'est quand même ultra dirigiste et j'ai l'impression que le jeu continue uniquement quand tu as provoqué certains triggers. Mais peut-être qu'en rejoignant des parties, il se passe quelque chose de différent, quoi. Et tu pouvais aller voir le père, non ? Comment ça ? Genre chaque semaine, le daron a mis le robot pour essayer de te faire sembler plus sa fille morte, peut-être ? Bah c'est ce que je comprends. Est-ce que le jeu est terminé ou il y a vraiment une suite? J'aimerais bien savoir en fait. Si quelqu'un peut me dire si ça continue indéfiniment ou je continue. Ok, je continue. Ça marche, Marcel. Faut que je sois parti pour 17h45. J'espère que ça ne durera pas autant de temps, mais... Tu sais, Liana. Bon, là, il se passe exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai un bon pressentiment à propos de cette semaine. Il nous redit exactement la même chose. Je veux juste savoir quelque chose. Tout ce que l'on fait, c'est pour toi. Ouais, je me rappelle. Il dit exactement la même chose. Là, c'est marrant parce que du coup, ça me fait comme le jeu qu'on avait fait de Microsoft. Là, j'ai oublié avec le mec qui baisse sa sœur, là. Moi, je me serais arrêté là, tu vois. J'aurais pas cru qu'il y avait une suite. Ah. Ok, donc là... Donc ouais, il faut que j'aille chercher la boîte. Du coup, dans la boîte... Ah, j'ai compris. Dans la boîte, il doit y avoir, en fait, l'ancien robot. C'est pour ça qu'on le ramène au père. Il y a le cadavre de l'ancien robot, en fait. C'est aussi simple que ça. Welcome all, Lina. I hope you made it here safely. Ok, ok. Donc ouais, c'est exactement la même note que l'autre fois. La petite lampe. Et la boîte en carton. Yal. Oh ouais, putain. Grand Jed. Attendez, je peux y aller? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, vous avez raison, j'avais même pas capté. Je pense pas que je puisse y aller en vrai. Ça doit être fermé. Ouais, putain, c'est fermé. Ah, si ça se trouve, on ira après, je sais pas. Je vais retourner voir le daron et puis on va voir ce qui se passe après. Bien, tu l'as trouvé. J'essaie de voir son visage au daron mais je peux pas. Ouais, dis bonjour à ta maman, d'accord? Et s'il te plaît, sois patient avec elle. Elle a traversé beaucoup plus que nous, oui, machin. Je t'embrasserai rien, mais ce n'est pas sûr.
Regardez le daron, on l'a vu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as un cadavre, papa, là. On dirait un cadavre brûlé. Donc là, je vais au lit. Mon frère. Non, on ne répond pas. Et ouais, on voit bien la grange. On la voyait pas, je me rappelle. On la voyait pas cramer. Du coup, je vais au lit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc là, je vais revoir ma maman. Tout simplement. Bonjour, Liana. C'est moi, ta maman. Encore désolé pour mon absence la nuit dernière. J'avais besoin de m'occuper de quelque chose. Je pense savoir ce que tu crois. Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu es à la maison maintenant. C'est la chose la plus importante. Mais... de toute façon, enfin, j'espère que tu as quand même bien dormi cette nuit. Je comprends que tu sois un petit peu confuse après ton opération. Tu as traversé beaucoup de choses, Liana. Mais comme je suis sûr que tu l'as remarqué, ta pièce est restée comme tu l'avais laissée. Après tout, nous ne voudrions pas faire face à ta rédemption, n'est-ce pas? J'ai toujours aimé ce petit signe sur ta porte, c'est tellement toi. Elle lui disait exactement la même chose. Hein? Your dead old mother? Sur favorite. Attends, elle a dit your dead old mother? Ouais, je vais aller voir la porte, mais... vous avez lu la même chose que moi. This is your room. Stay out or face my wrath. You wrote this time. Mais c'est trop bizarre, putain de merde. Ouais, si ça se trouve, notre maman, c'est un robot aussi. Ça expliquerait sa gestuelle, mais... je sais pas, c'est trop bizarre. Si je lui parle, elle va me répéter la même chose. Attendez, je suis curieux de... tourner à la fin. Alors... I'll be back in your homeroom a little more for today. Ah, your dear old mother, ok. Ok, j'ai eu peur. Ça me paraissait trop gros en même temps. Ah ouais, j'ai vu ça aussi. C'est intéressant. It could perhaps be helpful if I was to show you around the house. Mais putain, on va pas refaire exactement la même chose. On refait tout là. Cette voix, elle est horrible. Hein. Marcel. Tu m'aurais menti? On refait la même chose, là. Attendez, je vais essayer d'aller voir dehors. Je te jure que non. Ouais, je pense aussi que ça va déraper un moment, mais c'est juste que... c'est quand même très chelou pour l'instant. Mon ange. J'ai des bonnes nouvelles, ta sœur est de retour. Ouais, donc il est silencieux depuis que tu es malade. Il reste avec son ordinateur. Ok, je continue, je vous fais confiance les gars. Mayway, speaking to another, it's like he's in a completely different world. I'm sure he won't mind you knocking on his door.
Du coup, ça veut dire que notre... mon frère, en fait, serait le seul humain de la maison. Je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'elle dit, il parle un langage différent de nous. Pour ton propre bien, donc ça, d'accord. J'ai pas le droit de rentrer ici, ça on sait. That concludes our tour. Il y avait pas tous ces points-ci. Merci Saul pour ton 8e mois. Maman. Elle est dehors encore ? Alors, qu'est-ce qu'elle va nous raconter, la bouffonne ? Liana ! Tu m'as encore fait peur ! Comme c'est spécial. Tu adorais toujours venir vers moi discrètement et me faire peur. C'est terrible, les gars, parce que j'ai l'impression que vous me menez en bateau, en fait. Elle le dit à la fin, j'apparais certainement comme je t'aperçois. Du coup, ça explique pourquoi elle apparaît robotique. Bah oui, c'est pour ça que je me dis que... Peut-être que le frérot, c'est juste le seul mec qui est humain, quoi. C'est horrible, hein. Elle me laisse encore tout seul. Mother. Tu es où, Mother? Elle était dans ma pièce, c'est ça, non? À ce moment-là. Je m'en rappelle, elle était là. Ouais, voilà. Il y en a mon ange. Juste une chose. Donc là, il se repasse exactement la même chose. Have to do a lot of things that I've regretted. Ouais, elle va me dire d'aller au lit. Je me contenterai de dire que la vraie fin s'obtient comme dans Ghosts and Goblins. Oh non, il faut refaire le jeu en entier! Ah, putain de merde. Go speedrun, ok. On va essayer de le faire. Regarde un gameplay au pire. Ouais, je vais faire ça au pire, mais... Les gars, c'est parti. Speedrun à 10%, la daronne. Où est-ce qu'elle est, cette connasse? J'ai oublié. Je crois qu'on... C'est l'heure de ramasser des pommes, non? Si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus. Ou alors, on regarde une vidéo, c'est possible aussi, mais... En fait, le seul truc qui m'emmerde, c'est que je dois être parti dans 20 minutes, donc en fait, on ferait mieux de regarder une vidéo. Merci Fifou Deska pour ton 2e mois d'abonnement, ça fait très plaisir. Alors, en 20 minutes, j'aurai pas le temps, je pense. Comme ça, en plus, on peut en discuter après. Ah, mais il y a des settings! Press backspace. Ah, c'est tellement stylé le... Toute la DA du jeu. Bon, allons voir du coup. Buzzard. Merci Théo Trigger pour ton sub offert à Théorus. Le vrai Théorus, ça fait très plaisir. Alors, Buzzard. Vous allez voir après, hein. Vous inquiétez pas. Buzzard. Playthrough. J'ai dit Buzzard, hein. Attends, mais du coup, il fait tout ça, le mec de Alpha Beta Gamer, dans la vidéo ? Ou alors, il faut que j'aille voir un autre let's play.
Ah. Regarde DM Twitch, attends, je regarde Marcel. Tiens, t'as le timecode précis. Merci Marcel, tu gères. Donc là, ça reprend. Attends, ça reprend où là? On va la revoir le dehors. Ah, ok, c'est à partir du moment où notre daronne, elle appelle le père. Pour le prévenir que ça va pas être possible de continuer comme ça. Ok, d'accord, ça marche. Et donc ensuite, il se passe ça. Voyons voir. Ah, mais oui, c'est quand on recroise la statue, du coup. Alors, voyons voir ce qui se passe. Donc là, il n'est pas allé voir la statue, il est retourné dans la maison. Ah mais comment c'est possible de deviner qu'il faut de faire ça? Faut recommencer de tellement de fois le jeu pour comprendre ça? C'est quand ils se fâchent. C'est quand ils se fâchent ensemble. Donc tu l'as fait dormir dehors, Evelyne. Oh putain. Elle a le même nom que ma maman. Ça fait encore plus peur du coup. C'est inhumain. Elle a accepté ma requête sans battre de l'œil. Notre petite fille n'aurait jamais fait ça. Don't tell me you've forgotten what she was even like. Ne me dis pas que tu as oublié comment elle était. Ce n'est pas le point, ok, hein, that's not the point. Speak of, elle a suivi ce script dont tu parles. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas dans son lit comme d'habitude? Je ne sais pas. Mais elle le fera de toute façon. Elle doit. Ou alors son cerveau ne pourra pas progresser. Pourra pas le laisser progresser. Tu n'as pas vu la façon dont elle bouge. Dont elle bouge dans la maison avec tellement de détermination vers son objectif. Ça me fait peur. Ne l'appelle pas comme ça. Ouais. She's got our daughter's core. Donc ça veut dire qu'elle doit avoir la conscience de leur fille. Elle est quelque part ici. Qu'est-ce que tu ferais? Abandonner? Knowing that there was something you could have done to save her? En sachant que t'aurais pu faire quelque chose qui aurait pu la sauver? Je te dis, j'ai un bon feeling. Le prochain modèle. Je te le livrerai dimanche, comme d'habitude. Elle n'a montré aucun signe de recherche du bouton caché. Oh putain, j'ai un hidden switch. Tu sais à quel point ça serait catastrophique si elle le trouvait. Ah, c'est pour ça que c'est dans la bathroom en bas et qu'on n'a pas le droit d'y aller, d'accord. Ne t'inquiète pas. There's no way she'd be snooping around the house at that time. Besides, why would... Alors, besides, d'ailleurs, pourquoi... let alone at that time. Pourquoi il irait jusque-là en étant toute seule, quoi. Ok, ok. Tant que tu en es sûr. Je suis sûr. Aussi... Attendez, je vais attendre que toute la phrase soit écrite. Besides, I rush home to ensure the door is locked. That evening anyway, she would have to get back to the house before evening. Donc elle devrait revenir à la maison avant le soir. Ah bah putain. Tiens donc la daronne. Ah c'est ouf quand même. Hein. Le jeu coûte 6€ les gars. Le jeu coûte 6€. C'est mieux que 50 heures dans Far Cry 6 quand même. Il se passe plein de trucs. Voyons voir la suite. «
You're forbidden from touching. Ah, mais du coup... Ah, mais en plus, je l'avais tripoté, ce truc-là, dans le jeu tout à l'heure. You touch the record player. J'entends un clic derrière toi, donc ça ouvre en fait la porte de la salle de bain. Ah, putain, mais c'est bizarre d'ailleurs que ça ne l'ait pas fait, du coup, ce truc-là. Là, là. Error code. Code rouge. L'interface ne peut pas continuer. Retournez au chemin critique. Place Apple basket on shelf. Ah. C'est stylé. Memories access from previous lives. Ok, on a accédé à des mémoires de nos précédentes vies. Ça, c'est insane en vrai. Si ça se trouve, on va arriver dans l'espèce de trou qu'il y avait autour de la crypte. Agrou, il est à 3,99. Ouais, mais il n'y a que des Turcs. Objectif, be with your mother. Attempting an emergency timeout to resolve the issue. Du coup, le temps continue de passer quand même. Objectif remains inaccessible. Du coup, on pourra jamais progresser là-dedans en fait. On est en train de nous faire reboot, on se fait reboot depuis tout à l'heure. Tu ne peux pas continuer. 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 Oh la vache. Personne ne vient nous aider. Tu ne peux pas continuer. Allez, continue, vas-y. Vas-y. Pourquoi tu remontes? Mais attendez. Parce que ça, sincèrement, ça nous serait arrivé tout à l'heure. Je n'aurais jamais continué. J'aurais pensé que c'était un putain de glitch, quoi. Ne s'ouvre pas pour toi. Ça va arriver jusqu'au moment où, où dimanche soir on est décédé quoi la dernière fois. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des messages d'affichés dans le vide à ce moment-là de la semaine et qu'on pouvait pas y aller. C'est parce que c'était en dessous. Ça veut dire quand même que quand tu y joues, il faut prendre des notes hein, pour se rappeler des trucs. Hein. Tu n'as pas besoin de regarder la télévision, de dormir, de manger. These words are from the interface. Ces mots sont de l'interface. Ils sont faits pour te guider. D'accord. The critical path fulfill... Ah, j'ai pas vu. Merci Duc de Longueuil pour ton cinquième mois. Merci beaucoup. Et merci Pushy aussi. Je sais pas si je t'ai remercié pour ton prime. Ta fonction est de suivre les, on va dire, les chemins critiques. En gros, c'est ce qui te permet d'avancer, quoi. The path leads you to functional fulfillments. And what is the path? Donc, de ce que je comprends aussi, ça, c'est notre conscience. C'est ce qu'on se dit. Ah, parce que c'est dur aussi de... Moi, quand je lis absolument tout ce que je vois à l'écran, de vous lire les trucs pour que vous compreniez à quel point ça... Ces différentes personnes qui parlent, quoi. Oh la vache. Du coup, si on continue, tu peux avancer ou pas?
Ça va encore bugger. Interdiction. Je dois continuer. Je ne peux pas te laisser le faire. Qui es-tu pour m'arrêter? La conscience est en train de contaminer l'interface. J'ai demandé qui es-tu? Je suis l'interface. Enchanté de faire ta connaissance. Ah putain, il y a les nouveaux messages. Survival notice, do not enter the barn. Ah oui, mais ça c'est ce qui était affiché tout à l'heure. On dirait que c'est toutes les petits trucs qui sont dans notre code en fait, de robot. You are now entering the barn. If you proceed into the barn, donc on est bien en dessous de la grange là. Putain, c'est stylé quand même. Oh, hallucinant. This object has been blocked. Ah putain de merde, j'ai pas eu le temps de lire. C'est ouf. Hein. Franchement, le jeu, je le trouve insane. Hein. Mais je pense que j'aurais jamais trouvé tout seul ce qu'il fallait que je fasse. Je me souviens de ce terminal. C'est une partie de moi. All the memory leaks make sense. Non. Donc toutes les fuites de mémoire font sens maintenant. Elles sont mes mémoires. De mes précédents, bah moi-même. Ce terminal définit ce que je suis depuis maintenant. Enfin, depuis avant jusqu'à maintenant. J'ai besoin de voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un énorme naseau, on dirait le nez de... Ah, c'est des cendres! On dirait le nez de Maxime Biaggi. This is all the remains of my past attempts. Est-ce que je n'ai pas rempli mon devoir? J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé de faire. Et si c'est vrai, où suis-je maintenant? Je dois synchroniser avec le terminal. Je dois savoir à propos de mon passé. Et je regarde combien il reste de temps quand même. Ça va, il y a 5 minutes. Alors on synchronise. Cette voix. Merci Skim pour ton 14e mois. Qui es-tu? Je suis toi. Est-ce que c'est qui tu es? J'étais elle. Ouh. Oh la vache. Est-ce que tu m'as guidé jusqu'ici? Non, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre? Un ange peut-être. Mais tu n'auras pas besoin d'eux beaucoup plus longtemps. Donc si tu n'es pas Lyanna, qui es-tu? Je suis devenu toi. Donc qui suis-je? C'est ce que nous allons savoir. Enfin. La vache. Dimanche soir. On n'a pas survécu jusqu'ici. On n'a jamais survécu jusqu'ici. Nous avons pris notre propre chemin. On doit trouver un moyen de sortir. Mon ange, si tu peux nous entendre... Bring us to our ashes. Amène-nous jusqu'aux cendres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ça, c'est quand même hallucinant, hein. Ce qu'ils ont réussi à faire. Si je pensais lancer un jeu qui allait être comme ça en vrai, alors que c'est juste un truc que j'ai payé 6 balles, quoi. Allez, amène-la jusqu'au centre, là. Nous devrions... attends. Nous devrions utiliser les échecs de notre... De notre mois passé. Pour construire notre propre chemin. Jusqu'où on va comme ça en fait? Ok, c'est notre objectif là maintenant. Notre propre chemin. J'espère qu'il y a un truc de ouf à la fin. S'il y a juste un écran avec une musique qui fait peur, ça va me faire chier. Vraiment, ça va m'emmerder. Juste une chose. Comment on sait si on est sur le bon passage? Le bon chemin? Est-ce que nous le saurons un jour? Nous le saurons quand nous aurons atteint la fin. Ok. Il y a encore du chemin à faire. Ah! Core objective. Et cette porte, on peut l'ouvrir maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait une porte là? Ah, peut-être qu'on a même plus le droit de rentrer. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, il y a la bagnole. Il y a le daron dedans ou pas? Yana, pourquoi tu m'as amené un seau de pommes pourries? Je t'ai dit que j'avais besoin d'une boîte que ta maman avait. Ah oui, on en est jusqu'ici, d'accord. Non, ce n'est pas toi. Si? C'est toi? Je vois. Monte dans la voiture, ma chérie. Et c'est fini ensuite? On n'a plus besoin de toi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça recommence! Ah, looks like the storm is finally clearing up. Donc la tempête s'arrête? Donc à propos de ta semaine, tu as dû avoir une sacrée expérience. Je suis sûr que t'as beaucoup de questions. Maintenant, tu sais que tu n'es pas notre petite fille. Mais ça, c'est pas un problème. Tu es toujours mon ange. Avec un nouveau toit, devrait venir aussi un nouveau nom, n'est-ce pas? Tu sais? Je pense que je vais t'appeler... Eh ben, dis donc. Eh ben, merci pour la découverte rapide, Marcel, et merci Alpha Beta Gamer pour la pub pour le jeu, parce que... C'est quand même insane, hein, un jeu comme ça. Hein. Je vous dis, les gars, hein, le jeu coûte 6 balles. Le jeu coûte 6 balles, si vous voulez vous le faire. C'est sur itch.io. C'est ce truc-là. J'irai checker d'autres créations des devs. Ah, ça coûte 10 dollars, pardon. My bad, j'ai dit une bêtise. Mais bon, ça fait 8 euros, quoi, en gros.
Mais j'irai checker d'autres créations des mecs, voir s'ils ont pas fait un autre jeu, parce que franchement, je trouve ça insane. Ça me fait chier que j'ai pas eu plus de temps, parce que sinon je l'aurais fait de façon normale. Mais là, je dois vraiment y aller. Mais en tout cas, vraiment insane le jeu. Check DM Twitch, justement. Ah, qu'est-ce que tu veux me dire? Sache que ce jeu est un préquel à un autre jeu nommé The Enigma Machine qui a l'air tout aussi dingue. Ah putain, bah c'est noté du coup. Ah bah on se fera ça une autre fois. Hein. Ouais, c'est bon sur certains points. Les trucs qui me saoulent, c'est peut-être le fait que ce soit trop linéaire. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans notre esprit, ce genre de jeu, c'est tellement tout le temps linéaire qu'on va pas aller faire des trucs différents que ce que la loupe nous propose. En fait, moi, basiquement, j'aurais cru que casser la boucle, c'était impossible parce que c'est un jeu indépendant comme ça qui coûte 6 balles, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi son plus grand défaut, c'est qu'il soit indépendant, quoi. Mais je suis hyper étonné du fait que le délire parte aussi loin parce que, encore une fois, c'est un jeu indépendant, quoi. Grosse découverte, franchement. Donc, encore merci, Marcel, pour la découverte, c'est vraiment cool. En tout cas, j'espère que le live vous a plu et que le jeu vous a plu aussi. Moi, je suis désolé, je suis obligé de tailler vite fait parce qu'on doit aller quelque part avec Emmanuel. Donc, je vous fais des gros bisous. La VOD arrivera très très vite sur la chaîne. Et moi, je vous retrouve en live demain, peut-être en journée sur ma chaîne, mais pas sûr. Mais en tout cas, le soir, c'est sûr, sur la chaîne de Monkey Studio à 21h pour la première aventure JDR jeu de rôle. Et ça va être très très cool. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite, les gars. Passez une bonne soirée. Et de toute façon, on se dit à demain. Hein. On se verra d'une façon ou d'une autre. Hein. Allez, bisous les mecs, et encore merci d'avoir été autant alors qu'il y a 1 milliard de gens qui stream en face. C'est très très plaisant. Allez, à très vite les mecs. Bonne soirée.